Salut! Alors, j'espère que le son est bon parce que j'ai pas mal galéré toute la journée avec mon micro. Désolé. C'est décidé, demain, je passe au formatage. Il va y passer. Donc, j'ai reformaté. Il faut que je trouve la bonne distrib Linux à installer. Et après, on va y passer parce que j'ai trop de problèmes de son. Et c'est un petit peu infernal. Aujourd'hui, j'ai pas mal avancé pour ceux qui sont intéressés sur la formation API Platform. J'ai déjà 9 chapitres d'enregistrés. J'ai pas commencé le montage, donc je vais sûrement commencer demain si le formatage se passe bien ou après-demain. Et je vous tiendrai au jus quand est-ce que les chapitres sortent. Alors je vais juste remettre un poil les filtres que j'avais, le compresseur et le gain. Voilà, dites-moi si c'est mieux ou pas au niveau du son. Et on va attaquer Nest.js. Donc je me dis que l'idée, on va se fixer quelques petits objectifs si vous voulez bien, comme ça on va tester ça. L'idée, c'est de se donner environ 2 heures, 2 heures et demie pour découvrir l'outil, voir jusqu'où on peut aller, sachant qu'on va se donner un objectif qui est simple. C'est un système de recettes de cuisine et avec un système d'authentification qui permet à chaque utilisateur de gérer ses recettes. Ça, c'est le globalement. Hein, il est possible qu'on n'arrive même pas au-delà de l'API. Le son est bizarre. Ok, bah, je vais défaire tout ça. Voilà, hop, vous montez le son de votre côté et ça marchera très bien. Alors l'upload d'image peut-être plus tard, il faut que je regarde d'ailleurs, il faut que je le fasse pour API Platform aussi. Donc on verra ce qu'on a le temps de faire, je suis même pas sûr qu'on ait le temps d'arriver jusqu'aux recettes de cuisine, donc on va voir. Donc là l'idée aujourd'hui c'est de découvrir Nest et on découvrira comme ça d'autres frameworks et on verra avec lequel on arrive au bout de 2h30 à aller le plus loin possible. Alors la première étape, ça va être d'installer Nest.js. Donc on peut l'installer de deux manières, soit en faisant les trucs en ligne de commande. Alors là je vais y aller YOLO, je vais le faire comme ça. Tout simplement parce que de toute façon, je vais formater cette machine, donc je m'en fous. Donc je vais aller me rendre dans mon dossier lab, on va faire cette installation et ensuite on va initialiser le projet. Alors comment on appelle ce projet-là? On va sûrement setup un ORM, hein, il y a de fortes probabilités. Et je pense qu'on va utiliser PHP Storm pour cette vidéo parce que j'ai... Ouais, ça commence bien, putain. L'enfer, quoi. Non, mais on va faire ça. Genre, est-ce qu'on peut faire ça avec NPX? Bon, on va cloner le projet. Voilà, git clone et on va l'appeler prep nest. Comme d'habitude. Ok. Donc, ensuite, on va dans prep nest. Et on fait un petit coup de yarn histoire d'installer les dépendances. Et je vais l'ouvrir avec mon PHP Storm. Alors, 2 secondes, je vais couper mon écran et on est parti. Alors pourquoi je vais utiliser PHP Storm? Tout simplement parce que ça me permettra d'accéder à ma base de données. On va sûrement utiliser SQLite ou MySQL, peu importe. Et ça me permettra de pouvoir accéder à ma base de données beaucoup plus simplement avec l'éditeur visuel qu'à PHP Storm. Voilà, donc c'est en train d'installer les 30 268 dépendances. C'est même pas ironique, il y a vraiment 30 268 dépendances. Et voilà, on va attendre. Ça va être 10 ans à s'indexer, ça va être l'enfer. C'est normal que vous n'ayez pas l'écran, soyez juste un petit peu patient. Le temps que tout finisse de planter. Donc demain, je pense réinstaller l'OS et je pense passer sur du Endeavor OS. J'aurais voulu juste le tester avec rapidement une VM pour voir ce que ça donne. Peut-être je ferai ça ce soir sur Hyper-V quand je serai sur Windows, mais si mon install de VMware est pété. Parce que mon Linux, là, c'est un enfer. Il y a tout qui est flingué. Il n'y a rien qui va, quoi. C'est complètement dingue. Ok, donc il a installé les 30 628 dépendances et maintenant on va pouvoir continuer. Donc on nous demande de faire un npm install et ensuite de faire un yarn run start. Donc on va le faire ici, yarn run start. Donc ça démarre automatiquement un serveur de développement sur le port, roulement de tambour, encore roulement de tambour. Ben, on nous le dit pas. Ben, ça démarre sur un port en tout cas. Et du coup, si je vais sur localhost 2.3000, je vais avoir voilà ma petite page et mon Hello World. Yeah, c'est bon, on a fini. Bon, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. non, concrètement, du coup, on va. Qu'est-ce qu'on pourrait commencer par faire? On va essayer d'y aller soft. Apex, allez, go go. On va créer notre premier contrôleur et l'idée c'est d'afficher bonjour suivi de la personne. Déjà, test Elementary OS. Ouais, j'avais testé, mais c'est basé sur Ubuntu et j'ai besoin d'un. Je préfère Arch Linux pour le coup.
Alors la question c'est est-ce qu'on se crée un module, sachant que j'ai eu pas mal de problèmes avec les modules. Donc on va créer un module, voilà, parce que comme ça on va direct dans les emmerdes. Donc je vais me rendre dans le dossier prep, merde, prep nest. Et en fait ils ont une super commande qui s'appelle nest. Vous faites npx nest g et normalement vous pouvez générer des trucs. Et vous pouvez lui dire, par exemple, j'aimerais bien générer un module, et ça serait le module qui gérerait les recettes. Je crois que ça fonctionne comme ça. Donc là, il va automatiquement dans mon dossier SRC. Ah oui, c'est vrai que je ne vous ai pas montré à quoi ça ressemblait. On a une sorte de app module qui ressemble un peu au... à rien, en fait. Ah ben merci, Sir Micha, si tu utilises Nest, tu vas pouvoir me dépanner, parce que je pense qu'on va rencontrer problème après problème. Donc là, en fait, je vais créer un module. C'est une sorte de sous-dossier où on va avoir des contrôleurs, des trucs liés à ce module-là. Donc c'est un système modulable qui permet d'être utilisé. Et donc là, on a notre module qui ne sert à rien pour l'instant. Donc l'idée, c'est de créer un premier contrôleur pour gérer les recettes. Donc ou même on pourrait créer juste un contrôleur de test, si vous voulez. On va faire un nouveau contrôleur. On va le mettre dans Recip. Et on va l'appeler Hello Controller. Je crois que ça marche comme ça. Ouais, ça marche comme ça. Donc là, il a créé dans le dossier Hello mon HelloController.ts qui est là. Et normalement, il a renseigné dans la partie Controllers du module Recipes qui est chargé dans le module App. Ok, donc il y a pas mal de gens qui vont pouvoir aider dès que je vais écrire des bêtises. Donc après, à ce niveau-là, ce qu'on peut faire, c'est créer une fonction. On va créer une fonction index. Et à l'intérieur de cette fonction, on va pouvoir lui dire, tiens, j'aimerais bien que ça soit une route. Donc on va utiliser get. Et on peut préciser différentes choses. Donc c'est ce qu'on a ici dans la partie contrôleur, d'après ce que j'avais vu. Voilà, donc on fait arrobase get. Il manque la route là. Elle est où la route? Et en haut, là c'est le contrôleur hello. Donc normalement, si je fais juste slash hello, ça devrait fonctionner. Hop. Si ce n'est que il y a quand même un petit souci. Attendez, je croyais qu'il y avait des routes à un moment donné. Normalement, ça c'est le nom de la route. Comment on peut voir les informations qui sont là? Donc oui, là ça attend le chemin, mais vu qu'il n'y a pas de chemin, normalement c'est automatiquement la racine qui est utilisée. Et dans la partie index, c'est vrai que je n'ai pas forcément renvoyé des résultats. Donc là, normalement, on va pouvoir récupérer et injecter différentes choses. Donc là, par exemple, il y a un objet request. Donc on va mettre rec de point request. Je sais pas en même temps si on n'a pas besoin de la réponse. Et on va retourner une chaîne de caractères. Donc on va juste mettre ici, on va pas pour l'instant injecter quoi que ce soit. On va faire return hello. Donc on est bon. Je comprends pas pourquoi mon IDE il pète un câble là. On va réactualiser. Non, ça n'a pas l'air de marcher. La route, tu peux la mettre dans le décorateur. Ouais, normalement, tu peux mettre un chemin comme ça. Mais par défaut, le contrôleur ici précisera que la route commence par slash hello, basiquement. Vous vous utilisez plutôt quand vous travaillez sur Nest, vous êtes plutôt sur sur VS Code ou PHP Storm ou WebStorm, entre guillemets. Voilà, et moi, le premier problème que j'avais, c'était que il n'avait pas l'air de fonctionner. Ah ouais, le serveur de hot reload n'avait pas l'air de fonctionner. Et en fait, dans le package.json, je crois qu'il y avait un start. Et je me demande s'il faut faire ça. Donc on va faire ça, comme ça va lancer en permanence et ça devrait rewatcher les changements. Comme ça, on n'aura pas besoin de relancer les trucs. Donc je réactualise. C'est pas lancé. Voilà, je le réactualise. Et là, j'ai bien mon hello. Si on veut, par exemple, avoir un paramètre, on mettrait name ici. Et ça serait John, par exemple. Il faudrait que je lui dise dans la partie get qu'on a des paramètres. Donc je ne sais pas trop comment on cherche ça dans la doc. Je vous avouerai que je ne l'ai pas trop exploré à ce niveau-là. On va imaginer que... Ouais, route. Alors, il n'y a pas forcément de truc qui explique comment gérer des paramètres. Je suis bien sur la bonne. Alors, parce que hier, apparemment, sur Node.js, j'étais pas du tout sur la bonne documentation, et du coup, les gens m'ont dit, mais non. Est-ce que là, je suis sur vraiment la bonne doc, si je veux les paramètres de route? Ok, en fait, il faut juste que je recherche de manière un petit peu plus précise. Mais là, on peut préciser que notre route, par exemple, ça sera slash hello, slash le nom de la personne. Après, je peux récupérer le paramètre, donc il faut que je fasse param, et je lui précise que ça sera donc une chaîne de caractères qui contient. Oups là, désolé, qui contiendra le nom de la personne.
comme ça. Non, et là, ça sera params plutôt. Et si je fais un console.log de params, ça devrait me donner, lorsque je réactualise cette page-là, le nom de la personne. Ici, c'est John. Donc, je pourrais ici éclater ou carrément lui préciser que là, on aura JName qui sera une chaîne de caractères, comme ceci. Bon, en vrai, mieux vaudrait avoir une interface, j'imagine, qui serait paf par ou hello params, et ça serait une chaîne de caractères qui serait une string, comme ceci. Et là, comme ça, on pourrait lui dire, tiens, ça, c'est de type hello params. Comme ça, après, ben, vous pouvez mettre hello suivi du nom de la personne qui sera donc params. En limite, on va faire comme ça. Plus params.name. Et là, on met des templates string. Bref, voilà. Comme ça, là, on a fait Hello John. Donc ça, c'est le premier point. Normalement, c'est pas trop compliqué. Nous, l'idée, ça serait d'avoir plutôt une ressource qui permette de récupérer les informations sur une recette de cuisine. Donc, on va peut-être se connecter à une base de données. Tu peux faire ça, oui, effectivement. J'aurais pu faire ça aussi. Hop, et là, mettre juste le nom. C'est ce que je voulais faire au début et je sais pas pourquoi j'ai dérouté complètement. Et donc ça, c'est quand même cool. Bon, c'est une syntaxe un peu chelou, je vous mentirai pas, hein, surtout que mon éditeur a décidé de pas bien comprendre les choses, mais ça donne le même résultat. Mais en fait, il est en PLS parce que je crois qu'il y a ESLint qui est activé par défaut. Et alors, je sais pas si c'est Prettier ou ESLint qu'il faut activer, mais on peut sur PHP Storm lui dire, voilà, de faire ça. Et je pense que si je fais ça, voilà, là il va fixer automatiquement le code pour moi. Alors concernant l'ORM, je te recommande Prisma ORM. Ah, j'allais partir sur type ORM, c'est pas bien? J'ai juste exploré type ORM, Prisma je connais pas. C'est un peu ce qui est compliqué, c'est qu'il faut. Next génération, il y a déjà un next generation ORM quoi. J'ai pas connu la première génération quoi. Ça fonctionne pareil ou c'est plus compliqué à utiliser? Je me demandais quand faire un back-end avec une API. Est-ce que surtout pour du cross-platform et pas uniquement un site web? Essentiellement, ouais. Après, tu peux juste avoir un site web et une API. Mais tu n'auras pas forcément de bénéfice majeur. Là où ça va être intéressant, c'est quand ton front, il peut être différent. Donc tu peux avoir une appli, tu peux avoir un site web, tu peux avoir même plusieurs sites web et ça, c'est intéressant. Ok, moi bon, je vais quand même rester sur l'idée que la documentation va me donner les bonnes choses et du coup je vais attaquer. En fait, j'aimerais bien avoir une ressource qui représente une recette de cuisine. Donc là, on nous parle d'un CRUD Generator. Donc ça m'intéresse. Et aussi, on va parler de la partie ORM. Alors, moi, j'ai cherché en fait juste ORM ici. Et dans les recettes, c'était l'ORM qui ressortait, c'était type ORM. C'est pour ça que j'allais partir dessus en fait. Alors, à quoi sert Nest.js? Nest.js, c'est un framework pour Node.js qui permet de créer des applications. Notamment, enfin, je trouve que c'est plutôt utile pour des API, mais ça peut permettre de créer des applications et te donner une structure avec Node.js. Je regarde juste rapidement à quoi ressemble Prisma, je suis curieux. Ouais, je suis tenté d'aller vers type en fait. Hein. Ça me parle plus. Ça, on dirait le gars de Top Chef. Ça me parle, ça me parle. Ok, bon, on est parti. Alors, on va installer type ORM et on va utiliser. Alors, on va pas se compliquer la vie, on va utiliser MySQL. Et on est parti. Voilà. Donc, on installe type ORM et MySQL. Et on va le faire là. Yarn, add, type ORM et MySQL. Je vais configurer ma base de données MySQL et aller créer au préalable la table.
Donc je vais le faire sur notre écran, le temps que ça se fasse. MySQL-uroot-proot et create database. Database. Et on va l'appeler prep nest. Voilà, donc la base de données est créée. Je vais aller dans mon terminal, enfin dans mon truc là. Moi, c'est du MariaDB. Je vais lui dire que le mot de passe et le login, c'est root, sécurité avant tout. Et la base de données, c'est prep nest. Je teste la connexion. Il me dit que c'est OK et on est parti. Je suis la documentation pour l'instant. Donc la première étape, c'est de définir dans le module un database provider. Alors attendez, parce que c'est pas ce que j'avais vu la dernière fois. Merde, ça a changé. Est-ce qu'il peut générer aussi le front? Alors moi, de ce que j'ai compris, c'était plutôt pour la partie, concrètement, plus pour le côté API. Tout ce qui est partie front, template et génération de pages, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment bien efficace. Alors ceux qui ont fait du Nest pourront confirmer, mais j'ai plus l'impression que c'est vraiment pensé pour des API, quoi. Alors tu as le lien en haut dans le header pour la partie intégration de type ORM. Dans Fundamentals, non? Ou dans Overview? Je suis en train de chercher, c'est parce que ça me dit rien, ce truc-là, là. La partie ORM, elle est où? Tu m'as dit, tu l'as dans l'entête? Attention, pour le coup, tu utilises un truc à la main. T'as une intégration plus grande? Ouais, j'avais vu technique et database. Ok. Ok, donc on est reparti. Donc on va supprimer ce qu'on a fait, yarn remove MySQL. On va garder type ORM parce que de toute façon on va en avoir besoin. Et on va installer ce qu'il demande. Voilà, oui, c'est ce que je me disais, c'est bizarre, la dernière fois que j'ai essayé ça, c'était pas ça. Donc en fait, ça fonctionne encore une fois avec un système de modules. Et on a un module qui s'appelle type ORM module, qui provient donc de nest.js/slash type ORM, que l'on va charger dans notre système. Donc moi je vais aller dans mon app module, c'est celui qui charge le recip module justement. Donc là on rajoute hop, un module supplémentaire et on va rajouter la couche base de données. Donc on va utiliser le type ORM module et on doit lui passer un constructeur avec les différentes informations. Donc là on prend tout ça, on ne va pas s'embêter et on va faire un for root et je lui donne les différentes options. Ouais, ok, bon, bah, je les avais déjà là comme ça. Donc d'abord le type c'est MySQL, le nom d'hôte localhost, username, password c'est bon, la base de données c'est prep nest, et ensuite les entités. Alors ça, les entités, il faut lui lister en fait manuellement toutes les entités, ce qui, je vous avouerai, est un petit peu chiant. Donc ce que vous pouvez faire c'est, je vais sauvegarder, voilà, c'est lui dire ici load, autoload entities, et vous mettez ça à true. Et normalement, il devrait être capable de découvrir tout seul les différentes entités que l'on a partout. Donc, on va pour l'instant mettre ça. Et le synchronize va permettre de mettre à jour la base de données dès qu'on va déclarer une nouvelle entité. Donc, il vous dit attention, il ne faut pas le mettre en prod. Ok, donc on va continuer. Ouais, ça, on s'en fout. On s'en fout. Ok, donc une fois que c'est fait. On peut, là où on en a besoin, on peut utiliser donc le connection et le entity manager. Donc ça, ceux qui connaissent un petit peu, ça fait très penser à Symfony pour le coup. Et après, on a le repository pattern, donc qui est un motif un peu particulier. Mais d'abord, il va falloir commencer par créer une entité. Donc on va créer une entité. Alors je ne sais pas si on a une commande nestg-entity. Donc on va essayer. Et on va créer une première entité qui va s'appeler recipe, qui va permettre de sauvegarder une recette. Ok, bon bah il galère de pas avoir de trucs. Ouais, en fait, quand je disais que je pense que c'est pas trop adapté pour du rendu HTML, c'est que j'ai l'impression que c'est pas le focus vraiment du framework et ça fait beaucoup de choses quoi. Alors c'est nest g ressources, merci. Et on va l'appeler recipe slash recipe. Je mets slash parce qu'en fait moi c'est dans mon module. Ouais, non, 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 attends, je vais annuler. Je pense que ça fait trop de choses pour moi. Ça va générer tout un CRUD et j'ai envie de débuter tranquillement. Alors, on va aller carrément dans le dossier ici. Donc, nous, on avait créé un dossier, un fichier Hello. Maintenant, on va créer une entité
qu'on va appeler recip et on va la mettre à la racine de notre module. Donc on va créer un nouveau fichier, recip.entity.ts. Donc c'est du TypeScript. On va importer donc ces différentes choses depuis type ORM. Donc là, c'est plus du tout lié à Nest, hein, c'est en général c'est du comment ça s'appelle, du TypeScript classique. Et on va lui dire que ça, c'est une entité. On est obligé de mettre les parenthèses? J'imagine que oui. Et après, on va donc avoir notre classe qui va être exportée. Je suis désolé de faire des allers-retours. Dites-moi si ça vous flingue les yeux, auquel cas je fais ça. Mais je suis pas sûr qu'on y gagne beaucoup en lisibilité. Et après, on peut préciser les différentes choses. Donc là, on va le mettre directement comme ça. Pof. Et ça, on l'exporte. Qu'est-ce que je pense du no-code? Ben, je pense que c'est un truc intéressant, mais finalement, je trouve ça que... Pff, voilà, la phrase qui partait bien, mais en fait, qui est absolument pas bien traduite. Non, je trouve que finalement, c'est aussi compliqué au final que le code. C'est-à-dire que plutôt que d'apprendre de la programmation et des langages de programmation, ce que vont faire les gens, c'est qu'ils vont apprendre des outils et des services tiers, et ils vont brancher ces services tiers les uns les autres. Et au final, c'est juste une approche un petit peu différente sur la création de sites. Moi, en tant que développeur, forcément, bah, moi, j'aurais tendance à te dire, bah, non, je préfère faire les choses moi-même. Mais je peux comprendre que ce soit intéressant pour quelqu'un qui va y lancer un projet de pouvoir le faire sans forcément avoir besoin d'un développeur. Mais le problème, c'est qu'il va passer beaucoup de temps à essayer d'apprendre ces outils-là. Et l'autre problème qu'il peut y avoir, c'est que tu es dépendant d'un service aussi. Ce qui fait que, malheureusement... Attendez, là, je vais mettre created at. Comment on gère les dates? On va voir comment on gère les dates après. Et on a updated at. Et le souci, c'est que du coup, bah, tu deviens dépendant d'un outil, d'un service tiers qui est souvent payant et qui dicte les choses. Si demain, il décide de monter les tarifs, bah, tu es dépendant de ce problème, tu es dépendant de ce service-là. Ou s'il y a une fonctionnalité que toi, tu utilises beaucoup qui, du jour au lendemain, disparaît, bah, tu vas être embêté parce que tu n'as plus accès à cette fonctionnalité-là. Moi, ce qui me gêne, mais ça, c'est, on va dire, plutôt personnellement, c'est le côté bah, dépendance en fait à un service tiers, quoi. Alors au niveau de type ORM, je veux chercher les différents types qui sont disponibles et j'aimerais bien connaître les types qui correspondent en fait aux dates. Voilà, voilà pourquoi je suis sur la doc de type ORM en fait. Et j'ai peur que je me retrouve coincé. Alors, comment tu trouves ces informations-là? Est-ce qu'il y a une liste des types possibles en fait? Pour l'instant, j'essaie de suivre vraiment la doc. Hein. Ok, ouais, je veux bien. Est-ce que tu me donnes plus d'informations? Ok, plus. Est-ce que... Ok, donc là, on clique et on a tous les types qui sont disponibles. Et ces types, ils sont affichés à ce niveau-là. Donc là, par exemple, je peux avoir une colonne de type. Et ça, c'est tous les types qui sont compris par MySQL MariaDB. Donc moi, ça va être des types DateTime, je pense. Donc on va rajouter ici type DateTime. On voit qu'il y a l'autocomplétion et ça c'est vraiment vraiment pratique. Par contre, un type DateTime, à quoi ça correspond dans mon système? J'imagine que ça me renvoie une chaîne de caractères hein, par défaut. Mais alors, tu m'envoies un lien vers la décorateur interface. Ok, je vais regarder ça. Oh, ok, il y a pas mal de choses. Donc colonne, primary colonne. Ok, ça c'est pour les relations. Pour l'instant, on n'est pas encore dans les relations. Et tu m'as dit qu'il y a un created date colonne. Est-ce qu'on a un date? Oh, ok. Ah, et c'est de type date. Ce type-là, il provient d'où? Date. C'est un objet en JS, ce truc-là. C'est moi où je suis con. Les dates, ça existe en JS. J'ai eu une absence, quoi. ok. Oui, en fait, ça existe, je suis complètement con. Ok, et là, on aura updated.colon. Ok. Et là, il râle parce que c'est pas inséré. Ok, là, on a notre entité qui a bien été créée. Elle représente ce qu'est une recette avec la structure des données, à la fois pour mon système, mais aussi pour la base de données. Donc, on continue notre petite exploration, même si on s'est aventuré un peu plus loin que la doc, là, pour le coup.
Alors, the user entity sits in the user directory with all files related to user module. You can decide whether to keep your model. Ouais, donc là, moi, c'est ce qui m'avait plu pas mal avec Nest, c'est que tu fais ce que tu veux. C'est à double tranchant. Tu peux vraiment faire ce que tu veux pour le coup. Et maintenant, pour utiliser l'entité, il va falloir la rajouter dans la liste des entities. Et c'est là où j'ai un petit doute. C'est là où j'ai un petit doute. Comment tu fais pour renseigner l'entité? User module. On va s'imaginer que l'auto-découverte fonctionne. Donc il faudrait que dans la partie recip, ici, dans mon module, j'aille importer et que je rajoute. Tu fais ce que tu veux. Et je rajoute un type ORM module et je fais for feature et je rajoute entities qui est une liste d'identités. Et mon entité, ça sera l'entité que j'ai appelée recip. C'est marrant qu'il ait mis un RxJS, vous avez vu? On a le logo de RxJS à ce niveau-là. Le logo avec le petit dragon bleu. Ouais, c'est bizarre. Non, par contre, non, c'est pas. C'est recip. C'est l'entité que je veux utiliser. Voilà. Normalement, si je me trompe pas, il doit faire ça tout seul. Le mec, il croit un peu. Ok. Ensuite, for feature method to define which repository are registered in the current scope. Ok. En fait, moi, la question, c'est comment tu enregistres l'entité? Autoload entity. On va aller dans la partie techniques. Voilà, on va prendre des techniques, database. Et on va autoload entities. If true, entities will be loaded automatically. Il y a une explication sur comment ça fonctionne, ça là. Autoload entities. Ok, manually adding entities to the entities array of connection can be tedious. Moi, je suis d'accord. In addition, referencing entities from the root module breaks. Ouais, je suis complètement d'accord. Cause leaking et nininia. To solve this issue, static glob path can be used. Ok. Note, however, that glob patterns are not supported by Webpack. So if you are building your application within a monorepo, you won't be able to use them. M'en fous. An alternative solution is automatically set autoload. To automatically set nininia, property on the configuration object pass for root. That option specify every entity register for for feature method will be. Oh, ok. En fait, le for feature devrait les détecter tout seul. Ok. Maintenant, on aimerait bien, dans notre contrôleur, récupérer les recettes. Donc là, on en était là. C'est là où eux, ils ont un service. Ils créent un service pour récupérer les recettes. L'équivalent, finalement, dans Symfony d'un repository. Donc à ce niveau-là, on va créer ce service-là, on va le foutre, on va le foutre dans le même module. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va aller créer un nouveau fichier ici. Est-ce qu'on peut même le faire en ligne de commande? Nest g service recip slash recip. Est-ce qu'on met un s? Users service. On va l'appeler recips. Ça sera le recips service. Donc là, il a créé ce service-là. Il est dans ce dossier-là. Ouais, en fait, c'est un peu con de l'avoir dans un sous-dossier. Et automatiquement, il crée les specs, les tests et tout ça, et il le met aussi dans le module. Il l'enregistre dans les providers. OK. Donc là, la seule chose qu'il me faut faire, c'est rajouter le constructeur en injectant le repository. Donc c'est cette partie-là, moi, que je retiens jamais, donc voilà, on va la copier-coller. Tu peux ne pas le mettre dans un sous-dossier. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais le déplacer. Hop. Voilà. Ça se déplace. Mais c'est juste que je me dis, si je déplace des trucs en même temps là, et dans le module. Ok, il a bien déplacé. Donc je reviens sur ce TS là. Donc je vais ici utiliser inject repository. Et je vais injecter le repository qui correspond à l'entité recip.
Et ensuite, ça me donne donc quelque chose qui est de type repository. Et c'est un repository qui renvoie des recettes. Et ça, c'est une propriété privée qui va s'appeler recipes repository. Voilà. Et après, je peux créer les méthodes que je veux. Donc, on va s'en créer une seule pour l'instant, qui est find all. On va faire comme eux. Et ça va nous renvoyer une promesse qui nous renverra une recette, une liste de recettes plutôt. Et on va utiliser donc le recipes repository et lui demander de faire un find, l'équivalent du find all. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Ouais, don't forget to import the user module. Je suis pas bête, ça, je sais le faire. Maintenant, c'est là où mes connaissances sur. Ouais, ça, on l'a déjà vu. C'est là où je suis un petit peu. Alors, imaginons dans mon recipes contrôleur là, qui a disparu. Alors, on va créer un nouveau contrôleur. On va le mettre. Vous allez m'aider peut-être. Parce que je sais l'injection. Tu sais où elle est dans la doc, où elle est expliquée l'injection de dépendance? Crois que c'est @inject, mais. Ouais, là, ce qui me fait chier, c'est qu'elle le met dans un dossier en fait. Et moi, c'est pas vraiment ce que je veux. Il y a moyen là dans la commande de lui dire vas-y, fous pas le contrôleur dans ce dossier-là. Mets-le à la racine. Donc là, j'ai mon recipe contrôleur et j'aimerais bien que quand je fasse slash recipes, j'ai ma liste de recettes. Merci, c'est juste ce que fait un provider. Ok. C'est cette partie-là que j'avais pas trop bien en tête. Ok, donc là on a nos composants. Ça c'est injectable, donc c'est ce que j'ai fait au niveau du recipe service. Et les specs aussi me gênent parce qu'on allait. Ok, c'est injectable. Donc quand quelque chose est injectable, il est défini dans les providers. Ouais, je peux juste avoir le cas de service comme ça, quoi. Il les injecte tout seul comme un grand. Donc là, on va aller dans notre recipes contrôleur à ce niveau-là. Et on va lui dire, je vais avoir besoin du service qui va permettre d'injecter les recettes. Donc on va avoir un constructeur qui va utiliser donc le recipes service, qui sera donc de type recipes service. Et ça, on l'initialise comme une propriété privée. Une fois qu'on est là, on va créer une première fonction index qui va permettre de récupérer l'ensemble des recettes. Et là, on lui dira que c'est la méthode get. Ensuite, à ce niveau-là, on va pouvoir retourner un vis.recipesService.findAll pour toutes les trouver. Et ça nous renverra un tableau d'objets et il va automatiquement les serialiser. Je réactualise et j'ai un tableau vide. Si je regarde ma base de données ici, vous allez voir que lorsque je regarde cette base de données, elle a déjà recipe et elle a automatiquement. Donc ça c'est cool, t'as pas besoin de système de migration. J'avais trouvé ça vraiment vraiment cool quand j'avais regardé. Alors tu peux avoir un système de migration si tu le souhaites, mais par défaut, quand tu devs, c'est pratique de ne pas l'avoir. Et j'ai directement mes recettes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une recette de test. On va l'appeler pâte bolognaise. Et on va mettre pour la cuisiner, il faut des pâtes. Cuire les pâtes, et verser la bolognaise. Ouais, je suis un très très grand cuisinier. Et la date de création, on va lui dire que c'est la date du jour. Voilà. Et updated date, c'est la date du jour. Je sauvegarde. Je recharge la page et j'ai ça. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si je veux retirer des champs à ce niveau-là? Est-ce qu'on attaque direct la normalisation ou pas? Est-ce que déjà il y a une étape de normalisation? Normalisation. Non, sérialisation. Ok. Peu importe. Peu importe, j'avoue que c'est toujours la même recette. Alors, donc mon idée, c'est de pouvoir retirer, par exemple, quand je fais un listing, retirer le champ content. Et c'est que quand je fais le détail que je veux ce champ content. Alors, pour exclure les trucs, on a un @include, exclude plutôt, je m'en fous. Use interceptor.
You can expose au décorateur, ok. Transform, you can add, ok. Pass option. You may want to modify the default behavior. Faut que j'utilise un intercepteur, hein. Non, je pensais que si c'est, on aurait des groupes de normalisation un petit peu à la symphonie. Je pensais qu'on aurait un truc un peu plus poussé. On va regarder les intercepteurs, effectivement. Donc un intercepteur, ça chope des trucs. T'es sûr que c'est ce que... Ça m'a l'air d'être plus dans la sérialisation ce que je veux faire en vrai. J'étais juste, il y a le dernier truc qui m'intéresse là, le exclude prefixes. Mais connaissez-vous un back-end admin gratuit style Easy Admin sur Laravel? Free. Alors, petite astuce, je vous la donne comme ça, c'est gratuit. Quand vous cherchez quelque chose et que vous avez besoin de conseils sur tel ou tel techno, qu'est-ce qui est le mieux entre... Rajoutez Reddit. Parce que vous allez tomber sur Reddit. Et sur Reddit, les gens, ils répondent. En fait, vous tombez souvent sur des communautés. Et les communautés, elles répondent assez bien par rapport à des recherches Google. C'est une petite astuce, mais moi, je fais quasiment que ça. Et là, par exemple, il y a quelqu'un qui dit Voyager. Voyager, ça a l'air d'être un admin qui fait exactement ce que tu veux, quoi. Reddit, toujours Reddit. Tu vois, par exemple, tu te dis, tiens, c'est quoi le mieux entre Adonis et Nest.js? Bah, tu rajoutes Reddit. Comme ça, tu as des discussions Reddit. Et au moins, tu as des gens qui parlent et qui te donnent des vrais avis. Bon, là, c'est pas ouf, mais qui te donnent des vrais avis et ça te permet de te faire une vraie idée, quoi. Ah oui, après, c'est parce que je suis sur DuckDuckGo et ça me permet d'aller sur. Quand je fais des recherches, ça me permet d'aller sur Google quand je veux aller sur Google. Bref. Sur la sérialisation, en fait, je me demande si on peut pas avoir des options de sérialisation à ce niveau-là, en fait. On va tester ça, hein. Donc là, on va rajouter un nouveau décorateur, c'est Serialization Options. Vu que c'est du TypeScript, ben, il suffit de regarder à quoi ça ressemble ça. Et là, on a des groupes. Du coup, on peut utiliser ces groupes-là. Donc, par exemple, moi, je lui dirais, j'aimerais bien utiliser les groupes. Oui, alors par contre, si je ne sais pas faire les choses. Donc, j'aimerais bien utiliser le groupe, par exemple, ça serait Recip Detail. Non, Collection. Ou. Ouais, bon, on va laisser comme ça. Voilà, donc là, j'utilise mon groupe et ça doit être un tableau. C'est pour ça qu'il râle, c'est ça? Voilà. Et maintenant, dans mon entité, ici, je vais lui dire que ça appartient au groupe. C'est ça la question, c'est comment tu fais pour... Comment tu fais pour utiliser les groupes? Est-ce qu'il y a plus d'informations sur la sérialisation? Groups, peut-être. Là, je suis embêté parce que je suis à ça de trouver ce que je veux. Mais j'ai pas ce que je veux. Arrobase groupe. En même temps, peut-être si on va dans la doc, si on continue, on pousse un petit peu plus loin dans le code source. Attendez, j'ai ouvert trop de choses et je m'y perds du coup. Voilà, ça on va le fermer. Voilà. Donc là, on a ça et là, on a groups. Only property within groups will be transformed. Ouais. Ah, là on a une doc, là. On a un lien. Tu dois utiliser expose sur l'entité et c'est dans expose que je peux mettre le groupe, peut-être. Effectivement, tu as peut-être raison. Je pense que tu as raison même jusqu'à maintenant. On va exposer expose. Non mais je comprends pas pourquoi. Attendez.
base expose. Je peux pas l'utiliser sur les méthodes ou comment ça se passe? Tu dois utiliser expose sur l'entité qui te permet de marquer exposer les fonctions de groupe sur les fields. Ouais, mais j'ai pas l'impression que je puisse. Attends, je peux l'utiliser sur un get lol arrobase expose. Non, ok, c'est mon autocomplétion qui offre en fait. Donc j'aimerais bien comprendre d'où sort ce expose là. C'est de nest.js common. J'avais check ça moi. Hop, je regarde le lien. Ouais, en fait, la question c'est du coup, ça n'a pas l'air d'être importé, non? J'essaie juste de voir si sur la documentation, j'ai pas loupé un truc en fait. Parce que concrètement, c'est exactement ce que je veux faire. Ok, non, non, clairement, c'est moi qui ai merdé. J'ai oublié d'installer un package qui est donc classe. Transformer. Allez, 930 dépendances. YOLO. Ouais. Ok, et là, maintenant, on peut faire un arrobase. On va exposer manuellement. Par exemple, arrobase expose. Ah non, mais il est chiant, hein. Bon, tant pis. Vas-y. Et ça, tu l'importes. Il le trouve pas, mais il accepte que je l'utilise. Et je vais exposer dans le groupe. Et là, c'est recip detail. Ah non, c'est collection. Voilà. Et ça, c'est un objet. Non, et là, normalement, si je réactualise, ça devrait fonctionner. Et on voit que ça ne fonctionne absolument pas. Et ça ne fonctionne absolument pas, ce qui est normal, parce que si on relit la petite doc, là, on nous expliquait que je dois utiliser cet intercepteur-là pour pouvoir intercepter et rajouter la sérialisation au truc. Donc, dans mon receipts contrôleur, je rajoute cette partie-là. Donc ça, je l'importe. Ça, je l'importe aussi. Et automatiquement, maintenant, tout est planté. Non, non, c'est bon, c'était en train de s'actualiser. Mais on n'a toujours pas le groupe qui a l'air d'être pris en compte. Alors, ce qu'on va faire pour juste vérifier que c'est pas moi qui fasse n'importe quoi, on va essayer d'exclure quelque chose. On va exclure le contenu. Arrobase exclude. Voilà, on ne veut pas le contenu. Je réactualise, le contenu a disparu. Ce qui veut dire que le exclude est bien pris en compte. Je vais juste essayer de rajouter un expose et de mettre un groupe précis ici et de ne pas mettre de groupe. Ok. Donc en fait, quelque chose qui n'a pas de groupe est exposé par défaut. Ce qui en soi. En soi, c'est pas con, mais c'est pas ce qui me va, quoi. Donc là, en fait, il faudrait que je lui précise ce que j'expose ou pas. Typiquement, pour les recettes, ce qui m'intéresse, l'ID, on va toujours l'exposer. Ça, on va toujours l'exposer. Mais par contre, ces trois champs-là, je vais les exposer. Ou juste celui-là, ça sera pour Receipt Detail. Si je fais ça, en fait, j'aimerais bien comprendre juste la logique. Je reviens dans mon Receipt ici, contrôleur, et je lui précise, on n'a pas de groupe. Ouais, bah, carrément, vas-y, fais ça. Est-ce que là, il m'expose tout? Non, ouais, impeccable. Donc là, ce qu'il me faut faire, c'est que si je veux une page détail, je vais lui dire, je veux un paramètre. Donc ça sera slash, slash 2.id. Je vais recevoir. Alors pour l'instant, on va le faire comme ça, mais j'imagine qu'il y a moyen d'injecter automatiquement l'entité. Je vais récupérer le paramètre ID, qui sera un ID sous forme de number. Et après, ici, je ferai un find et je lui demanderai de récupérer l'enregistrement avec l'ID dédié. Je regarde juste si j'ai bien fait les choses. Voilà. Et là, je vais utiliser un serialization options et j'ai précisé que je veux utiliser le groupe recip detail. Et effectivement, le use interceptor, pour éviter de le répéter, on va le mettre là-haut. Voilà. Et là, ça sera chaud et ça me permettra de récupérer l'enregistrement. Donc, dans le receipt service, je vais aller créer cette méthode-là. Et cette méthode, elle retournera un vis.receiptRepository. Find one. Non. Get.
intéressant. Find. Find one. Je connais pas les options, mais je pense qu'on va trouver. Et là, on mettra. Ah bah il faut juste un ID. Ok, non, non, mais je sais pas pourquoi. Quand j'ai fait Find One, vous voyez, l'autocomplétion. Mais c'est peut-être PHP Storm qui est un peu aux fraises. Là, il m'a montré que les options. Mais bon, là, je lui passe l'ID et il va me trouver normalement un enregistrement. Et je vais lui dire, ça renvoie une promise. Promise qui renvoie. Est-ce que j'aurais pas plus vite fait de faire un async? Non, c'est pareil. Hein, qui me renvoie une recette. C'est juste que la syntaxe, je la trouve un peu lourde, mais. Après, c'est peut-être moi qui fais l'appareil. Il faudrait que je lui dise, c'est une promise qui renvoie des recettes. Voilà. C'est marrant, ça se passe mieux que la découverte de Deno hier, quoi. Ouais, après, c'est déduit automatiquement, on est d'accord, mais. Alors là, je fais slash 1. Et ça me donne le contenu et j'ai toutes les infos. Ok. Bah en fait, on a le même système de groupe que de Symfony, quoi. C'est cool. Non, en fait, je suis en train de me demander. De me poser une question. Oui, voilà. Comment on fait pour injecter un paramètre contrôleur? En fait, voilà, pour être honnête, je me verrais bien faire ça. Mais en même temps, est-ce que ça marche vraiment? J'aimerais bien me faire un arrobase. Enfin, genre ici, je lui mettrais recip et je lui dirais, tiens, sors-moi une recette comme ça. Mais en même temps, il va avoir besoin de repository pour comprendre comment on injecter ce truc-là. Est-ce que c'est possible, Sir Micha? Oui, avec un pipe. Il y a des pipes automatisés ou il faut créer son propre pipe à ce niveau-là? Est-ce que je pars sur quand même pas mal de lignes ou pour l'instant, je devrais rester avec l'ID et continuer comme ça? Alors, toi, tu me parles de DTO. Alors, on va chercher Data Transfer Object. Ah, ça, c'est la partie CRUD, justement, dont vous me parliez tout à l'heure. Ouais, ils ont l'air d'utiliser que. Ça fait quoi le plus, là? What the fuck? Ouais, sur leur CRUD, ils ont l'air de faire ça. Ils ont l'air de le faire à la main. Hein. Ça casse en nombre. Ok, je l'avais jamais vu. Bon, pour l'instant, tu sais quoi? On va pas s'embêter. On va rester sur cette idée-là. Et on va simplement continuer. Et j'aimerais bien tester les validations et voir comment ça fonctionne. Donc maintenant, on va s'imaginer que l'on souhaite modifier une recette. On va devoir sortir Insomnia, je pense. Où est-ce qu'on a moyen de faire une requête HTTP depuis PHP Storm. D'accord. Comment on met le body dans ce truc-là? Alors, hop. Moi, je vais appeler ça en post. J'accepte du JSON. J'imagine que tu mets le body YOLO comme ça. Après là. Et là, je vais lui dire qu'au niveau du body, j'aimerais bien un ID. Et ça sera. Non, c'est plutôt je vais changer le name. Et je vais mettre super pâte à la bolognaise. Ah, peut-être qu'il faut le mettre là-haut. Et là, on aurait content type application JSON body. Ok, on va essayer d'exécuter comme ça.
Une raison à ne pas utiliser Postman, c'est juste que j'ai la flemme de le démarrer. Il n'y a aucune raison. Il n'y a juste aucune raison en vrai. Non, c'est que quand je le démarre, là, il va y avoir plein de clés, des trucs comme ça. Il faut falloir que je masque des trucs. Puis j'ai envie de tester ça en vrai. C'est pas slash recipes. Non, là, je veux mettre à jour une recette. Je veux mettre à jour une recette. Ben on est parti. On va aller modifier notre recipe contrôleur. Alors tout ça va être généré après avec une simple méthode. Hein. Donc on va s'inspirer de ce qu'on a fait là. On va garder la partie sérialisation parce qu'elle m'intéresse. On va lui dire que c'est la méthode update. On lui passera un ID. On aura ici update. Je vais m'inspirer de ce qu'ils m'ont montré à ce niveau-là. Ok. Et ah ouais, effectivement, ça c'est chiant. Enfin, c'est chiant, c'est logique, mais c'est chiant. À quoi ressemble ce DTO? On a un exemple de DTO, c'est une simple interface. Ah, j'aurais bien aimé avoir un DTO en exemple. Ouais, bon, on va créer une interface. Je vais imaginer que c'est. Ouais, c'est juste une interface, on est d'accord. Donc là, on va avoir un paramètre qui sera le nombre. Et ensuite, il faut lui dire le format. Du body qui sera la requête qui va être envoyée au format JSON. Donc là, ça sera update recipe DTO. Ou est-ce qu'il l'appelle pas simplement data en vrai? Ouais, est-ce qu'on l'appellerait pas data? Et on va aller créer donc cette interface là. On va créer peut-être un nouveau dossier parce que sinon ça va être un petit peu violent. Et on va l'appeler update recipe.dto.ts. Et on va exporter une interface qui va s'appeler update recipe DTO. Et cette interface, elle va avoir qu'une seule propriété. Moi, je veux simplement changer le nom et ce sera une chaîne de caractères. Voilà. Donc là, je vais pouvoir lui dire ça, c'est de type update. Hop, update recipe DTO. Avec un U majuscule. Voilà. Voilà. Et on va faire les imports. Ok. Ok. Et la méthode update, elle n'existe pas sur le recipe repository. Mais là, je vais lui passer les data. Donc, je vais aller créer cette méthode update. Donc, cette méthode, elle va prendre un ID qui sera le nombre, les données qui seront de type update recipe DTO. Pourquoi il a pas un... Pourquoi il râle là? Et ça devra renvoyer une promesse qui renverra une recette. Tu exportes dans un TS. Tu ne peux pas importer dans un fichier JS? Tu peux. Ensuite, pour l'instant, sur Micha, je ne t'ignore pas. Hein, c'est juste que j'essaie d'avancer par moi-même. Je regarde vraiment les liens juste après. J'essaie de voir si je me débrouille tout seul et après, je regarde avec les liens. Ok, donc là, on a ce truc-là. Et on va. Ben, je pense qu'il doit y avoir une méthode vis save. Et ça attend une entité, j'imagine. Ok, ou une ou plusieurs entités. Donc là, il faudrait récupérer l'entité. Donc on va faire un. Ben, ça deviendrait asynchrone du coup. Hein. On ferait un const recipe égale await. Là, par contre, tu peux me dire si j'ai complètement tort ou pas sur ma manière d'approcher le problème. De faire d'abord le find et ensuite de faire l'update ou s'il y a directement une méthode update peut-être. Oui, il va y avoir une méthode update à tous les coups. Tu mets les critères. Ah putain, j'ai du mal à lire ce code là en vrai. En fait, j'ai du mal à lire parce que j'arrive pas à comprendre à quel moment est la virgule. Il est là. Ouais, apparemment il y a un update. En fait, il y a moyen de faire un update. Mais pour l'instant, je vais faire en deux parties. Donc je vais faire un recipe repository. Et ensuite, je vais lui demander de faire un find. En même temps, non, je suis con, j'ai juste à faire un vis find. Trouve ce qui correspond à l'ID. Donc tu vas obtenir une recette. Une fois que j'ai cette recette, je peux faire un recipe.name. Je vais prendre data.name. Et une fois que j'ai ça, je lui demande de sauvegarder ma recette. Et ça, qu'est-ce qu'il me dit là? Non, c'est pas. Ok.
Pas d'erreur au niveau de la compilation, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et je reviens sur ma partie ici et je vais essayer de resoumettre mes... Oh, merde. Zut. De resoumettre les choses. Il y a juste peut-être au niveau du contrôleur. Ici, il faut que je fasse... Effectivement, c'est en put que je vais faire la requête. Donc là, je fais en put. Je réexécute. Et là, j'ai une réponse qui me dit super pâte bolognaise. OK. Et dans ma base de données, j'ai mes super pâtes bolo. OK. Maintenant, le souci, c'est que si jamais je mets S, ou juste P comme pâte, il n'y a pas moyen de taper directement la requête. Il n'y a pas un raccourci. Si je fais ça, ben maintenant, le problème, c'est que j'ai juste un S ou un P là. Et j'aimerais bien valider les choses. Donc, j'aimerais bien gérer la validation. Et mettre une contrainte de validation sur la taille à ce niveau-là. Utilise plutôt save. Update? Non, update c'est plus performant, je dirais. Alors, il faut valider les datas qui rentrent dans l'application. Merci, c'est un très bon conseil à ce niveau-là. Alors, in the pipes chapter. Ah, j'aurais dû regarder le pipe chapter. Donc, les pipes, ça permet de transformer des données, et. Le truc n'a pas de sens. Ça permet de transformer des données, et la validation, ça permet de vérifier et de valider les données. Ok, on a plein de pipes qui sont définies. Bah, c'est comme des middleware, en fait. Hein. Ah, donc là, par exemple, tu peux parser et avoir un nombre automatiquement. Ok. Et tu peux mettre des pipes. Voilà, oh là, ça devient compliqué quand même. Je vais pas vous mentir. Hein. Tu commences à avoir des fonctions qui ont un sacré nom. Ok, je peux. Oh putain, la page, elle est méga longue. Ouais, si je descends, on continue. On a des validations. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Let's make our validation pipe a little more useful. Ah, parce que merde, il y en avait un au début. Alors, je suis plus sur la page validation, mais la question c'est est-ce que du coup il faut que je crée un pipe custom qui va valider ou j'utilise le validation pipe pour valider des données? Je vais continuer à lire. Donc là on a notre DTO. We want to ensure that any incoming request create method is a valid body. Ouais. So we have... Ouais, ok, on est d'accord. Ouais, je veux créer un validation middleware. Ah, mais ça marche pas. Donc là, on me parle de Joy. Est-ce que je pars sur ça ou... Alors, je vais regarder ton lien. Donc là, on revient sur le chapitre validation. Alors, je vais repartir du début. Classe validateur et glace. Ok, donc là, ça protège toutes les données qui rentrent. Ça a l'air pas mal, ça. Donc ça se fout dans le bootstrap. Le meilleur framework CSS du monde. Mais attends, j'ai pas ce bootstrap là. Alors il faut trouver le point d'entrée dans tout ce bordel là. Le point d'entrée, il doit être dans main.ts. Il est ici. Donc on va rajouter un new validation pipe. Voilà. Donc maintenant, si j'envoie une requête qui ne correspond pas à ce qui est demandé, ça devrait me tège. On va essayer de rien envoyer, tiens. J'essaie d'exécuter. C'est carrément tes plans. Ça a tes plans parce qu'il me fallait yarn add classe-validator. L'interaction de malade. Il faut ajouter des décorateurs sur le DTO d'abord. Ouais, attends. On apprend à la brute. Et pour apprendre à la brute, il faut se manger des murs en chaîne. Donc je réexécute ça.
Alors c'est passé, par contre du coup j'ai l'impression que j'ai un problème avec mon nom. Si je regarde dans la partie récip, non, j'ai toujours mes pattes. Ok. Donc je reviens dans mon système. Ok. Non, il y a pas l'air d'avoir une mention du. Ah, là c'est intéressant. On a plein de décorateurs sur classe validator. Donc classe validator, c'est un truc que je connais pas, mais on peut valider, j'imagine, plein de trucs. Alors on va s'imaginer que moi, dans mon DTO ici, je vais lui dire que ça doit avoir une taille minimale. Comment ça marche? Le mec qui va à l'aveugle complet. Non, non, c'est min-max et les options. Ben, ça doit avoir une valeur minimale de 2. Et on va s'imaginer un max de 50. Voilà. Poum. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, parce que. Oui, mais moi je me suis pris en. Je croyais qu'on était en PHP là. Il n'a pas l'air de vouloir. Est-ce qu'il a pas l'air d'aimer mieux ça en fait? Qu'est-ce qui se passe? Faut que le DTO soit une classe? D'accord. Il a pas l'air d'aimer mieux ça en fait. Argument of type min de point number, max de point number is not a subset of paramètres de type number. Ah, mais non, je suis con en fait, c'est moi qui sais pas lire. C'est 2 et 50. Voilà. Maintenant, on revient ici et j'essaie de resoumettre. Ah ouais, là j'ai une erreur 400 qui me dit le message name must be longer. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un peu plus de détails sur les validations d'erreurs? Mais si je mets ici un nom name et je mets hello, mais je mets juste H comme ça, j'exécute, il va me dire ouais effectivement ça doit être plus long. Et si je mets pâte bolognaise, j'exécute et c'est bon. Ok. Bah, la validation, c'est plutôt simple. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur... Disable error message. En fait, moi, je veux l'inverse du disable error message. Dans le validation pipe, j'aimerais bien que tu m'expliques au moins les propriétés, quoi. Pour pouvoir ensuite, côté front, tu sais, avoir les formulaires où on affiche un peu ce que l'on veut. C'est pas le message de validation que je veux changer, j'aimerais bien avoir un objet qui contienne les clés d'erreur, en fait. Tu vois, si je fais ça, hop là, et que j'envoie, j'aimerais bien avoir. Ben, c'est sur la propriété name qu'il y a eu un problème. Donc apparemment, si je reviens dans le main.ts, je vais pouvoir lui dire ici qu'il y a des options de validation. Et est-ce qu'on a un truc. Est-ce qu'on a pas mal de détails à... Ouais, on a peu de choses. On a le disable error message, transform options. Il n'y a pas plus de détails. Ouais, il faudrait me créer ma propre méthode, on est d'accord. On va regarder si quelqu'un a eu le problème nest.js key error validation. Et on va sur Google. Allez, alors là on va aller un peu plus sur de la terminologie, mais. En fait, j'aimerais bien avoir une liste des erreurs. T'as des erreurs plus détaillées que ça, toi? Peut-être c'est moi qui n'ai pas mis certaines options, hein. Je vais pas persister hein, si je trouve pas, c'est pas super important.
Bon, je vais continuer. Du coup, sur mes recettes, j'aimerais bien mettre des ingrédients dedans. Pour ma fameuse pâte, mes super pâtes bolognaises. Mais en tout cas, déjà, la validation marche et ça, c'est génial parce que ça permet de valider tout ce qui rentre et tout ce qui sort et ça, c'est quand même vraiment cool. Tu recommandes Golang pour quel usage? Pour un usage où tu as besoin de compiler un truc en fait et d'avoir un binaire à la fin. C'est là où c'est intéressant. Et après, quand tu as besoin d'un peu plus bas niveau, quoi. Ouais, mais c'est pas le message que je veux personnaliser. En fait, je veux vraiment la clé dans les erreurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, j'aimerais bien avoir une clé. Le message d'erreur serait le même, mais ça serait indexé par clé, quoi. Essaye validationError.target et .value à true. Dans la partie pipe, alors, du coup. Ici, là. Validation error. Ça, c'est quoi? C'est de quel type? Target à true et value à true. Ça a l'air d'être parfaitement ça. Hein. Je pense que value, moi, ça serait à false en vrai parce que je m'en fous un peu. Mais je pense que tu as complètement raison que c'est ça. Merde, ça on supprime. Yep. C'est quoi scratch.txt? Là, je rentre mes pattes avec juste une seule lettre. Ça, c'est quoi tous ces trucs-là? C'est toutes les fois où tu as fait la requête, c'est ça? J'ai jamais utilisé l'outil de requête HTTP. Non, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. C'est con parce que c'est exactement ce que je veux, je pense, mais ça fonctionne pas. J'ai redémarré le serveur pour être sûr. Mais oui, je pense que c'est exactement ce que je veux, mais il doit y avoir une transformation qui est faite côté Nest et j'ai pas forcément le temps de l'explorer aujourd'hui. Donc là, on est à peu près à 1h10 de travail et on a déjà un début de CRUD de base. Moi, j'ai mis name volontairement pour tester en fait d'envoyer une requête qui est erronée. Du coup, maintenant, on va gérer les ingrédients. Et si vous voulez bien, on va essayer de générer avec une ressource. Donc, on va faire un yarn npx nest g ressource. Et on va créer dans recipe une ressource pour les ingrédients. Donc, what transport layer do you want to use? On va mettre REST API du coup. Ouais. Waouh, 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 waouh. Ok, il installe des paquets. Ça me semble un peu étrange, mais j'aurais dû peut-être regarder ce qu'il faisait avant. Il passe through an array of validation error. Data packet, no validation pub will map error to list of plain string anywhere. Tu préfères the previous approach? Ouais. Je peux faire ça. Ok, ça a l'air pas mal. Fail to execute commande. C'est con parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Toujours pas partenaire avec tes stats. Non, j'attends une semaine avant de faire la redemande. Et je ferai ça après. Ah putain, il a créé plein de trucs. Bon, il a créé plein de trucs, mais en soi, c'est des choses que je pense que je comprends. Si ce n'est qu'il a créé un ingrédient module, ce qui est con en fait. Il va créer un module par contre par. Vous faites ça, les gens qui font du Nest, vous créez un module par ressource. Ça me semble un peu violent en fait. Moi j'aurais tendance à créer un module recipe et dedans j'y fous le ingrédient et le. Tu bosses sous forme de domaine. D'accord. Ouais, du coup, en fait, un domaine c'est un module quoi. C'est ça, on est d'accord. Ou ça, non, c'est encore un autre type dans. Mais ce qui est con, c'est que. Ouais, bon, il y a sûrement un drapeau pour lui dire ne crée pas le module. Mais là, en fait, je vais retirer ce ingrédient module. En fait, j'ai peur en retirant le module que je flingue une tonne de trucs. Mais en vrai, j'ai pas le choix. Voilà, je laisse le dossier ingrédient. C'est pas con d'avoir un dossier par truc. Mais là, dans le recipe module. Je vais lui dire, bah, il faut que tu utilises le ingrédient, l'entité. Donc ça c'est important parce que comme ça on aura accès à l'entité. Je vire l'ingrédient module, il sert à rien.
Alors là, par contre, je pense que j'ai bien flingué les parenthèses au passage. Et je vais utiliser le ingrédient contrôleur. Et je vais utiliser le ingrédient service. Parce que c'est un provider de service. Ouais, ok, tu fais ça en fait. Il y a moyen d'avoir une récipe bolognaise avec les kunpound. Hein? Là, t'es trop avancé pour moi là. Attends, juste, j'essaie de faire ça là. Parce que je suis sur deux trucs à la fois. Et on va pas trop avancer sinon. Donc là, je vais remettre ça. Ok. Et je vais juste désactiver ça temporairement. Dommage parce ça ressemblait vraiment à ce que je voulais. Là, j'exécute ça. J'espère juste que c'est pas tout flingué. Et c'est tout flingué. C'est ce que j'avais peur de ça en fait. J'avais peur qu'on flingue un truc. Je vais couper tout. J'avais peur de tout flinguer avec mon. En même temps, mon entité, elle est vide là. Elle est vide. On a les DTO qui sont là. On a. Ouais, ça, on s'en fout. On a le contrôleur qui utilise le service. Ok. Il n'y a rien de particulier hein, à ce niveau-là. Et après, on a l'ingrédient service qui utilise donc nos DTO. Jusque-là, rien d'anormal. Et ce service-là, il n'injecte pas le repository. C'est peut-être l'entité vide qui crache, ouais. Ok, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer le serveur. Non, je pense qu'il a peut-être crashé pendant que j'ai fait l'install du service et du coup, ça a merdé. On va voir. Non, il n'y arrive pas, il bloque complet. Donc, on va effectivement peut-être essayer de remplir notre entité. Donc, on va avoir un ID. On va s'inspirer de ce qu'on avait fait pour la recette. Et ici, on va prendre ces deux champs-là pour nos ingrédients. T'as pas le décorateur sur la classe. Je pense que là, entity, c'est juste ça qui manque. Et du coup, il comprend pas que c'est une entité. On va essayer au fur et à mesure, on va voir ce qui débloque la situation. Mais c'est vrai que c'est une très 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 bonne théorie. C'est pas la bonne, mais c'est une bonne théorie. On va faire ça. On retente. Non, c'est toujours pas ça. Ce qu'on peut faire, je pense, par contre, c'est virer dans mon module. On va virer le ingrédient service. On va virer le ingrédient de contrôleur et on va virer les ingrédients. Comme ça, là, on revient sur normalement une phase où on est clean. Non, et même là, ça merde. Qu'est-ce qu'il m'a foutu? Qu'est-ce qu'il a fait? Tain, la seule fois où j'aurais utilisé l'outil automatique, ça m'aura flingué mon truc, quoi. Là, on a une erreur qui nous parle pas des masses, quoi. Provider, c'est les modèles. Alors, l'erreur, c'est spread array is not a function. TSLib, ligne 1. Dans connect metadata builder build subscribers. L'erreur est horrible, on est d'accord. Fais chier, ouais, fais chier parce que si, là, alors au passage, hein, c'est de la pub pour faites des commits, quoi. Parce que si j'avais commit, je serais en mesure de savoir ce que ça a fait cette commande-là. Et là, le problème, c'est que bah, vu que j'ai merdé, bah, j'ai aucun moyen de le savoir. Alors, mon autre théorie, c'est que finalement, même si je n'importe pas ces modules-là, il y a ces trucs là-haut. Donc, on va les supprimer. On va virer notre Hello Controller qui sert plus à rien, du coup, aussi. Et ensuite, on va relancer. Normalement, je ne pense pas avoir changé grand-chose. Ouais, mais je pensais à regarder notre. Dans le package.json, le problème, c'est que c'est des fichiers qui ont été touchés par autre chose.
Et malheureusement, vu qu'ils ont été touchés par autre chose, je ne sais pas. L'IDE n'a pas forcément traqué les trucs, quoi. Donc on va faire un coup de yarn, histoire d'installer les dépendances. Il y a juste la dépendance RxJS qui m'étonne, pour être honnête. Je ne sais pas ce qu'elle fout là. Je sais pas quand est-ce qu'elle a été rajoutée. Tu peux voir la chronologie des changements, mais tu ne vois les changements que si c'est toi qui les as fait en fait. Si tu les as fait discretos sans rien lui dire, lui il a aucun moyen de les voir passer. Je regarde juste rapidement. Je vais regarder ma base de données si elle est toujours up, parce que c'est possible que ça soit carrément ma base de données qui est crashée. Mais elle a l'air d'être toujours là. On a toujours nos pas de boulot. Je refais un coup de yarn dev là. Ah! Merde, ça a redémarré, mais sans me prévenir, quoi. Chelou. Ok. Donc, on est reparti. On est reparti. Et je vais pas m'écouter, tu vois. Je viens de dire il faudrait faire un commit, mais je vais pas faire de commit, je m'en fous. Et on est parti. Donc là, hop, on réactive notre ingrédient. Donc, on réactive notre entité. Ensuite, ah, qu'est-ce qu'il fait ESLint là? Ensuite, on fait le ingrédient contrôleur. Voilà. Je check en même temps que ça crache. Et là, ça vient de cracher par exemple. Parce qu'il n'arrive pas à charger le ingrédient service. Voilà. Normalement, là, on devrait être bon. Parfait. Je recharge cette page-là et j'ai ma recette. Donc, l'idée, c'est d'avoir différents ingrédients. Et ces ingrédients, normalement, on a déjà la structure de la base de données parce qu'on a la synchronisation. Donc, on va s'imaginer qu'on a des tomates. On va avoir, d'ailleurs, c'est au singulier, des pâtes. C'est important, les pâtes. Et on va avoir du sel. Et peut-être de l'eau. Voilà. Ensuite, je vais. Allez, est-ce qu'on fait un petit commit? Allez, on fait un petit commit. Même si c'est un commit qui n'aura pas beaucoup de sens, vu que là on a un début de CRUD qui a été créé, quoi. Je regarde juste qui fait ça et on l'appelle first commit. Et vu que je suis 100% sûr que mon code il est parfait, je désactive l'analyse du code. Voilà. Et je commit. Ok, donc maintenant. Ah, il manque les oignons. Ok, il faut les oignons. Les oignons, ben on va les rajouter là. Hop. Rajoute oignons. La sauce bleue, tu fais avec de la tomate et des oignons. Il y a de l'angular dans le projet Nest? Non. C'est où que tu vois du angular? Tu fais de la tomate et ça fait des labos. On s'en fout de la recette. Là, et j'aimerais bien avoir la liste des ingrédients. Donc, je fais slash ingrédient. Et il me dit cannot get. Donc, on va aller dans notre partie contrôleur ici. On va récupérer tous les ingrédients avec un S. Voilà. Je réactualise et ça me dit que ça me renverra tous les ingrédients. J'imagine que par défaut, en fait, c'est qu'il n'y a pas le service qui est branché. La viande, peut-être aussi. Mais non, c'est bolognaise tomate, quoi. Moi, ma recette du ketchup, c'est. Ma recette du ketchup. Ma recette de la bolognaise, c'est des pâtes et du ketchup, quoi. Donc. Je suis pas sûr que tu aies envie de me tester sur ce coup-là. Alors, dans notre contrôleur, on va. Non, c'est dans notre service. C'est là. Ça, par contre, j'arrive jamais à m'en souvenir. C'est cette partie-là, là, ce petit bout de code-là, qui est important. Donc, on va lui dire. Dans le constructeur, qu'on va injecter une propriété privée qui est un repository pour les ingrédients. Et ensuite, ça nous donnera ça. Et là, on essaie de ne pas merder au niveau des parenthèses. Ce qui est quand même. Et là, ça sera ingrédient repository. Pourquoi il met une virgule à la fin? C'est bizarre, non? La structure est très similaire. Ouais, parce qu'apparemment. Attends, Angular, Nest.js. Bah, c'est des gens qui ont l'air d'être copains-copains quand même. Tu vois, ils disent toujours que c'est une architecture Angular. Donc, je sais pas s'ils se vendent comme ça en vrai Nest.js. Ah, c'est. Ok. Mais c'est fait par les mêmes personnes du coup? C'est juste qu'ils se sont dit, tiens, Angular c'est trop bien, on va faire comme Angular. Alors, je reviens dans mon service.
Alors pour le find all, c'est facile, on fait un return this.ingredient repository.find, on les trouve tous. Ensuite le find one, ça il peut pas le générer tout seul. Non, on est d'accord, hein, ça c'est trop difficile pour lui. Parce que franchement, c'est vraiment c'est bizarre qu'il ne te génère pas cette partie du CRUD. Ah, peut-être c'est ce qu'il. Tout à l'heure, il a planté, donc peut-être c'est quand il a planté qu'il n'a pas fait la fin et il était censé faire ça. Ensuite. Alors, déjà, si je fais ça, est-ce que quand je réactualise, j'ai mes ingrédients? Ouais, trop bien. Comment tu fais l'update alors? Est-ce que vous faites un save ou vous faites un this ingrédient repository et vous allez en mode YOLO, vous lui dites update et j'aimerais bien que tu update. Alors d'abord, il attend un nombre, moi ça serait l'ID et après je lui passe une partial entity et est-ce qu'on pourrait lui passer en fait le DTO et qu'il comprendrait tout seul que le DTO est lui-même un partial entity? Est-ce que d'après toi ça fonctionne? Niveau typage, ça a l'air de passer hein, en vrai. Et là, on return un this ingredient repository et on aurait un remove ou un delete. Et on lui passe l'ID. Ouais, en même temps, ça c'est vraiment un truc que tu peux faire toi-même. Et là, j'imagine que tu peux faire un return this.ingredientrepository.create. Non. Point save. Il faudrait lui passer une entité. Comment tu crées une entité à partir d'un objet? Connaîtrait une alternative à Google ReCAPTCHA. Il y a no CAPTCHA, mais c'est pas un open source par contre. Ouais, mais en fait, c'est comment tu passes de cet objet-là si tu veux automatiquement qu'il set toutes les propriétés. Il y a moyen de faire ça? Ou tu es obligé de faire un const. On va l'appeler ingrédient. Ingrédient égale new ingrédient. Et ensuite, manuellement, de faire un ingrédient point. Ouais, le spread opérateur, quoi. Si tes propriétés ont le même nom. Ouais, mais quand j'ai fait create, vous voyez, j'avais pas d'autocomplétion. Create a new entity instance. Il a. Ah! Ah, le typage, il est pourrave sur PHP Storm, c'est bizarre. Ouais, ok. Non, non, c'est bon, ça marche en fait, effectivement. T'as raison. Ok, oui, mes propriétés ont exactement le même nom, c'est l'avantage. Donc là, il suffit juste d'aller dans les DTO et d'aller lui dire la classe là. Est-ce que je peux pas lui dire, tiens. Ah, partial type, c'est quoi ça? Extend partial type. Ah ouais, ça veut dire que ça va hériter de ça. Donc là, on va avoir un name qui sera une chaîne de caractères et on voudra une length qui sera au minimum de 2 et on va mettre 50. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Hein. Donc on va essayer de créer un ingrédient. Jusqu'à maintenant, c'est pas mal concluant. J'ai essayé. Putain, en fait, je réalise que je suis complètement. On me voit pas en fait. Comment je peux gérer la luminosité? Ouais, je peux pas gérer la luminosité. Il faut que je m'approche de l'écran. En fait, quand je suis comme ça en mode. Je deviens tout noir. Du coup. Alors concrètement, c'est concluant parce que j'ai essayé sur mon Mac la dernière fois, mais j'étais en train de regarder une série, donc j'ai fait ça à l'arrache et j'ai eu que des problèmes de service qui étaient mal câblés. Et là, en même temps, je fais du API plateforme toute la journée, donc c'est quand même assez similaire, on va pas se mentir. Mais je t'avouerai que c'est quand même violent en termes d'écosystème et tout ce qu'il faut connaître dessus, c'est bourrin, quoi. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, mais il faut accepter, voilà, cet écosystème qui est lourd et un petit peu violent. Pour l'instant, je vais continuer mon exploration. On s'était donné 2h, 2h30. Là, on va presque arriver à l'étape de liaison. Je suis pas sûr qu'on ait le temps d'aller jusqu'à l'authentification. Je vous mentirai pas, mais donc là, on va aller récupérer sur notre truc. On va s'imaginer, je veux créer un ingrédient. Donc, on va faire slash ingredients et on va lui dire, tiens, l'ingrédient, on va lui donner un nom et on va l'appeler. Alors les gens disaient des carottes. Apparemment, il faut des carottes sur la bolo. J'essaie d'exécuter cette requête.
Et c'est un post, effectivement. J'exécute. Et on me dit name must be longer. Donc par défaut, on a toute la validation et on a ce qu'on disait tout à l'heure là qu'on voulait. On a le target. Et là par contre, j'ai trop d'infos maintenant. main.js. Je vais réessayer le error, validation error. Et on va essayer de remettre target à false et le value à false juste pour voir si ça marche. Je réexécute. Ouais, c'est parfait ça. C'est parfait. J'ai le message avec le nom de la propriété qui pose problème, la contrainte qui a planté et les messages. Donc c'est cool, c'est beaucoup mieux que ce que je... Ouais, c'est beaucoup mieux. Alors après, il faut voir si ça exploite... Enfin, ça dévoile pas trop d'informations, mais c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, on n'a quand même pas testé. Alors l'ingrédient, c'était les carottes. Voilà, des carottes comme ça. Je réexécute. Ok, et là si je réactualise, j'ai des carottes. Non, j'ai pas de carottes. Je n'ai pas de carottes. Où sont les carottes? Peut-être je n'ai pas sauvegardé. J'ai peut-être pas sauvegardé. Le DTO, le DTO. D'accord, là je devrais avoir des carottes. Est-ce que je les ai dans mes ingrédients? Non, non, rendez-nous les carottes, quoi. Donc dans ma partie. Là, la seule raison qui peut poser problème, c'est d'abord que mon contrôleur ne fasse pas appel à mon repository. Mais on voit que quand je fais un post, il appelle create. Ou que la méthode create ne fonctionne pas. Ça, je pensais que ça persistait les informations, mais ça crée une nouvelle entité instance et copie. It copies only properties that are present in the entity schema. Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse un save derrière, en fait? Ou un flush, effectivement. Vis.env. Et ça, en fait, est-ce que ça renvoie une promesse? Non, on voit que ça renvoie une. Vu que ça renvoie pas une promesse, ça ne peut pas sauvegarder. Donc là, on va créer notre ingrédient. Et ensuite, on va faire un return. Vis.ingredient repository. Et là, on va lui demander de sauvegarder notre entité. Voilà. Et là, je pense que ça fonctionnera. On va réexécuter notre requête ici. Et on voit que ça nous donne la carotte avec l'ID 6. Et là, j'ai bien ma carotte avec l'ID 6. OK. Maintenant, c'est là que les choses se compliquent. On aimerait bien, c'est les pires relations, ça. On aimerait bien pouvoir associer des ingrédients à une recette avec une notion de quantité. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut avoir une relation de type many to many avec des champs supplémentaires? Je pense que la réponse, elle se situe au niveau de type ORM en vrai. Donc au niveau de type ORM, on va avoir des relations. Et la question, c'est est-ce que une many to many peut avoir des champs supplémentaires? Ok. Donc là, je scrolle un petit peu rapidement. Ah, voilà. Ok, donc ça va répondre à notre question. In case you need to have additional property in your many to many, you have to create a new entity yourself. Ok, for example, you would like post and category. On crée post to category. With two many to one relations pointing to both directions. Comme doctrine. Donc on va créer une nouvelle entité et on va la foutre dans... Finalement c'est chiant que tout soit séparé. Fuck. On va la foutre là. On va l'appeler... Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, alors normalement il faut les mettre dans l'ordre alphabétique. Mais je sais pas. Je sais pas si je l'appelle recipe to ingrédient ou ingrédient to recipe. Ouais, ingrédient to recipe. On va prendre... Alors ça sera... Comment ils appellent ça là? Ce fichier, il appelle. On va l'appeler ingredient to recipe.entity.ts. Ok. Là, on va prendre tout ce code-là. Voilà. On va le changer évidemment, mais c'est juste pour avoir une base. On va lui dire que il va importer. Alors, ça va être une entité.
Pourquoi il galère avec cette import là? Ah ok, non, c'est les guillemets. Donc ça va s'appeler ingredient to recipe. Les entités s'appellent entités? Le mec est complètement flingué, il se souvient de rien. Non, ça s'appelle point entity, mais on... Ok, donc ça sera ingredient to recipe. On aura une colonne qui va s'appeler post to category ID. On est obligé de l'appeler ID en fait. Ensuite, je vais avoir un champ qui permettra de connaître l'ingrédient auquel on va être attaché. Ça sera ingredient ID. Je vais avoir un champ qui sera la recipe ID. Et j'aurai un champ quantity qui sera la quantité de l'ingrédient en question. Ensuite, on va avoir une many to one et on va être aligné avec. Alors, ça va être pour les. Alors, je suis désolé, mais les relations, il faut les faire vraiment calmement parce que sinon, ça fait n'importe quoi. Je pense que ton approche n'est pas bonne. Merci. Si tu veux expliciter, je veux bien. Mais. Tu dois juste créer une entité ingrédient. Je l'ai déjà, l'entité ingrédient. Et lors de la création many to many, il va le faire automatiquement. La table intermédiaire. Oui, mais le problème, c'est que cette table intermédiaire, elle a un champ particulier. C'est toute la particularité de cet exemple-là. C'est que dans la many to many, la join table, je veux un champ quantité. Pour pouvoir dire, par exemple, pour mes pâtes bolo, il y a 3 tomates. Et c'est toute la particularité de cet exemple-là. Et c'est pour ça que je prends cet exemple-là parce qu'il est volontairement chiant, en fait. le pire argument. Donc là, on va lui dire que l'ingrédient, on le récupère sur. Ok. Ingredient. Et là, on aura ingredient to recipe. Ok. Donc, je pense avoir compris comment ça va fonctionner. Et là, on aura du coup recipe. Ça sera la recette. Et on prendra ça. Et là, ça sera recipe qui sera de type recipe. Ça sert à quoi le point d'exclamation? Non nul. D'accord, par défaut en fait, sinon on accepte les nuls. C'est chelou. Donc maintenant, ça va être. Ouais, s'il y a une commande pour le faire, par contre, ça serait vraiment pas mal. Dans les deux trucs, il faut que je lie à ce truc-là. Donc dans ma partie, dans mon entité recipe, je vais rajouter que je veux une one to many, qu'on va importer. Ouais. Je veux importer donc les recipe to ingrédients. Non, c'est ingrédient to recipe. Et on va l'appeler ingrédient. Ouais, on va l'appeler V, tu sais quoi? V.recipe. Voilà, ouais, parce que j'ai vraiment la flemme. Et ça sera des ingrédients to recipe tableau. Et on l'appellera ingrédient to recipes. L'avantage, c'est que ça, c'est super facile après. Une fois que tu l'as là, ok, ça complète là. Mais il te suffit de faire la même chose ici, vu que c'est le même nom en fait. Par contre, il ne faudrait pas que la clé primaire soit l'ID de la recette pour le delete en cascade. Attends, on n'en est pas là. Hein. On n'en est clairement pas là. J'avance à petits pas. Là, il a complètement crashé ma base de données. Donc, on va le redémarrer. Mais est-ce que du coup, j'ai quand même un many to many ou pas? Non, ok. On va partir du principe qu'ils ont raison là. J'essaie de relancer. Alors, l'erreur qu'il me donne, c'est Unable to connect to your entity metadata for ingredient dièse ingredient to recipe was not found. Ok, je pense que c'est logique en fait. C'est parce que dans mon recipe module, hop, 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 il n'est pas capable d'autoload l'entité parce que je n'ai pas. Hop, je n'ai pas. Ah oui, c'est pour ça que les gens disent c'est du Angular parce qu'il y a le logo.
Non, c'est que j'ai pas mis ici le fait que j'ai ingrédient tourisip. Voilà. Et du coup, forcément, il essaie de se brancher à quelque chose qu'il ne connaît pas et ça doit foutre la merde. Après, il est possible qu'il plante parce que. Non, non, il y arrive, il y arrive. Donc là, voilà à quoi ça ressemble. Donc on réactualise. On a cette table intermédiaire. Je me demande d'ailleurs sur la structure si on a un delete en cascade qui se fait automatiquement. Non? Comment est-ce qu'on peut. On doit pouvoir. Hein. Comment on ferait? Normalement, c'est sur la many to one. Attendez, il doit y avoir. Alors, ça, c'est quoi? J'ai tellement du mal à lire ces définitions de type là. On a des options et là, on doit avoir un delete cascade. Ouais, c'est ça. Et les options, c'est quoi comme paramètre? Comment on peut. Virgule. Inverse side. Virgule options. Je crois que c'est le troisième paramètre, c'est ça. Virgule. Cascade. Et là, on mettrait delete. Sauvegarde. Type string is not assigned to boolean. Je comprends pas trop. Il me dit c'est un booléen ou un entre parenthèses. Ah! Oui, non, non, il a raison. C'est ça. Non? C'est quoi ce type-là? C'est quoi ce type? Cascade? Include or exclude one of them? Set cascade option for the given relation. If set to true, then it means the related object can be allowed to be inserted. You can separately restrict cascade to insertion. Je crois que c'est moi qui n'ai pas du tout compris ce que c'est ça. Moi, ce que je veux faire, c'est ça. Voilà. Et je veux faire ça aussi pour l'autre relation. Du coup, c'est l'ingrédient ici. Alors, franchement, par contre, je vous avouerai que ce qui me séduit vraiment, c'est le côté typage. Parce que vous voyez, je m'en sors sans lire la doc. Enfin, sans lire la doc. Pour certains trucs, je me débrouille tout seul. Et c'est vraiment grâce au typage que je peux explorer moi-même comme un grand. Les choses. Alors par contre, il faut actualiser, je pense, mais je sais pas si on peut les voir en fait, les cascades hein, en delete. Mais en fait, je ne regarde pas au bon endroit. C'est ici. C'est là que je vais les revoir. Non? Attends, je coupe 2 secondes parce que là, je sens que je commence à avoir froid et c'est parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte comme hier et je vais la fermer. En fait, je pense que là, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. On va pouvoir faire les insertions du coup en cascade. Et c'est là où on va rigoler. C'est là où on va rigoler parce que j'ai aucune idée de comment ça peut être fait, quoi. Donc mon idée, ça serait de mettre à jour la recette de pâte bolo et de lui ajouter des tomates. On va juste commencer par ça. En partant du principe qu'on connaît, n'oublie pas ton join table. Non? J'avoue, le mec il fait comme s'il partait. Non, je pense pas avoir fait d'erreur. Hein. Non, franchement, j'ai copié comme un gros teubé ce que me disait la doc pour le coup. Donc je pense pas avoir fait d'erreur sauf si la doc manquait des choses. Mais tu vois, j'ai vraiment copié-collé quoi. Je pense que le join table il est pas nécessaire. Et il n'est pas nécessaire parce que tu n'as pas de. C'est pas une many to many en fait.
Et de toute façon, dans la base de données, on a bien les choses. Donc ça veut dire que ça a correctement fonctionné. Bon, après, c'est possible que ça ait foiré, mais pour l'instant, on va faire ça. Donc, on va repartir sur notre requête HTTP. Hop. Et on s'imagine que pour notre recette, on va faire un put. On va aller sur la recette numéro 1. Donc c'est recipes slash 1. C'est fiable, Inertia, Laravel, React pour un site e-commerce. Oui, je vois pas pourquoi ça ne serait pas fiable. T'as peur que ça explose. Et là, on passerait les. Du coup, c'est quoi qu'on doit passer? Si je suis dans là, je suis ici. C'est là où ça va se compliquer, à mon avis. Je dois lui passer un objet qui va contenir des ingrédients tout récip. Et ça serait un tableau. Et je lui donnerai. Là, j'y vais à l'impro complet. Un ID, ça serait par exemple 1. Et une quantity, ça serait 2. Voilà, YOLO. Et j'aimerais bien que tu, par magie, je sais pas comment tu vas débrouiller, mais tu vas arriver à me faire ça. Je lance ma requête. La réponse, c'est carotte. Oui, alors par contre, ça sera pâte à la bolognaise. Voilà. Alors, ça ne peut pas fonctionner déjà parce que à aucun moment je lui ai expliqué que ça, là, c'était ses tables. Donc, on va aller dans le update recipe et on va aller lui dire que ça va être quelque chose. On va exporter, ouais, on va avoir l'interface qu'on va appeler create recipe ingrédient. Et là, on va lui dire que ben, on va avoir deux champs. Un champ ID qui sera un nombre et un autre champ qui sera la quantité, qui sera aussi un nombre. Et là, normalement, ça devrait marcher. Mets une majuscule à l'interface. Oui, bien vu. Voilà. Bon, ça devrait marcher, mais en vrai, ça ne marchera jamais. Hein. Donc, je sauvegarde, je réexécute. Hein, ça fait toujours bien la requête. Mes pattes à la bolo sont bien sauvegardées. Par contre, la relation ne l'est pas. Ce qui est clairement logique, hein, parce que je ne fais rien de mon côté, en fait. Donc, je vais regarder mon receipt service. Et j'avais fait ça. Donc là, je vais lui dire de faire plutôt un update. Je vais lui passer l'ID et les datas. Voilà. Mais pourquoi tu râles? Pourquoi il râle? Est-ce que c'est à cause de ce retour-là? Ton data devra être un dit partiel de l'entité. Comme on avait tout à l'heure là. Au niveau de l'ingrédient, update ingrédient DTO. Non, c'est bizarre que ça ait fonctionné. C'était au niveau de l'ingrédient service. J'ai fait un update à l'arrache là tout à l'heure. Il a pas l'air d'avoir mou. Ouais, non, je pense que c'est le. Oh merde, ouais, ça on va le supprimer. C'est le type de retour, je pense, qui pose problème. C'est à ce niveau-là, ça là, on va le dégager. On s'en fout. Non, ça il veut vraiment pas.
Type of property ingredient to recipe are incompatible. Type create recipe ingredient is not a C. Ok. En fait, il a un problème, ce qui est logique, hein, avec ce truc que l'on a au niveau du DTO. Parce que ça, il se dit, ah non, non, mais YOLO, c'est parce que c'est pas du tout ça, quoi. C'est ça qui lui pose problème. Il me dit, alors, je vais vous montrer l'erreur. Attendez, hop, on va la mettre en. C'est cette erreur-là que j'ai. Pire erreur, quoi. Et en fait, je pense qu'effectivement, il attend que ça. Il a besoin de savoir que c'est quelque chose qui ressemble au. Attendez, comment on réexécute la requête là? Elle est là. Voilà, hop. Attendez, je vais essayer d'aller à la ligne sur ce truc-là. Je peux pas. Attends, je coupe carrément le serveur. On est reparti. Sinon, mon terminal, il s'affiche pas correctement. Voilà l'erreur. Is not assignable to parameter of type query deep partial entity recipe. Type, le type ingredient to recipes, c'est ce type-là. Il n'est pas. Ok. Il ne correspond pas en fait à ce que je suis censé avoir. Ce qui est logique. Ça, en fait, il faudrait que je fasse ça. Et ça, je lui dis que ça extend de ça. Ou si je lui dis que c'est un tableau. Est-ce que juste, rien que le fait que ce soit un tableau, ça passe. Ok, donc là, on a une erreur un peu différente. L'erreur, il me dit que le type promise update result is not a symbol to promise receipt. Alors ça, c'est vraiment pas ouf, hein. Ce que je fais là, ne le faites pas à la maison. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. D'ailleurs, non, il me laissera pas le faire. En fait, la question, c'est comment je peux faire pour promise update result is not to promise receipt. Comment il sait le type? En fait, je comprends pas comment il comprend que type update result is missing the following property from type receipt. ID, name, content et created at. Faut passer dans un create sur le repository avant de l'envoyer en base. Ouais, mais là je veux faire un update en fait. Je veux pas faire un create. Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, tu. Je suis Keblo, je vous avoue que je suis Keblo. Mais je pense que. Je vais regarder si j'ai pas loupé un truc sur la. Sur les relations. Le problème vient de ton DTO. Tu peux cast en deep partial de T. Alors, dans mon DTO, ici, c'est quoi que tu veux que je fasse? Je peux faire un extend de deep partial de recipe to ingredient. Mais c'est pas sur ça qu'il bloque, j'ai l'impression. Non, c'est ingredient to recipe. Peut-être ça aide, mais. En fait, je ne sais pas pourquoi il force. J'ai compris. Dans le recipe contrôleur,
C'est dans le Recipe Controller, là, je pense que je lui ai dit, je m'attends à avoir une promesse de recette, et il a une promesse d'update result, et ça le flingue complet. Donc ça, on va faire ça. Donc là, déjà, on n'a plus l'erreur, en tout cas sur les typages, et on va défaire ça. Mais je vais quand même le garder en mémoire, parce que tu as peut-être sûrement raison. Je recharge, et là, j'ai une internal error. No entity column ingredient to recipe was found. At new column not found. No entity colon ingredient to receipts. Ok, alors là on va repartir sur ton idée qui était de se dire dans cette partie DTO. Là c'est vrai que je navigue un peu à l'aveugle et je ne fais pas forcément les choses correctement et je pense que c'est clairement le problème. Mais je pense aussi que... Attendez, comment j'envoie mes données là? Il est possible que ma requête elle soit flinguée aussi, c'est tout à fait cap... Non, non, j'envoie bien un objet qui est quand même un truc... Qui est quand même pas bon. Là, on va réessayer ton extends. J'aimais bien cette idée-là, de lui dire c'est une sorte d'entité, mais en fait... À mon avis, ça marchera toujours pas. Ok. Parce que, alors ça on va le re-effacer du coup. Je pense qu'il faut, ça rejoint le cascade de tout à l'heure là. Il va falloir que je lui dise dans la recette que je veux qu'il puisse créer ça en cascade. Donc là, je vais rajouter cascade, cascade, et on va mettre update. Et ça peut-être quand, ça veut dire que quand on fait un update, j'autorise la création en cascade ou un truc du genre. Nope. Alors, il me dit entity column not found. No entity column ingredient to receipts was found. C'est pas clair ça, c'est vraiment pas clair. Est-ce que ça serait pas temps de lire la doc maintenant? Ouf, que la lumière soit. Mais je pense que en fait c'est pas la doc de ça que je cherche, c'est plutôt la doc de type ORM qu'il me faut. C'est comment on fait une insertion croisée. Ah, la doc elle est un peu vide là. Ah, la doc elle est morte. Ah ben c'est mon jour quoi. Mais qu'il n'y a pas de chance quoi. Oh, tiens, ils ont déployé une mise à jour ou quoi? Ah putain, je te jure quoi. C'est un package qui est down. Utiliser un CDN qui disait, tu vois, tu pètes un CDN, il n'y a plus rien qui marche quoi. Bon. C'est cool, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment chier par contre. Alors, je pense que là, vu que je l'ai en cache, si c'est du navigation côté client, je dois pouvoir continuer à naviguer. On croise les doigts. Faut pas que j'actualise, faut pas que j'actualise, faut pas que j'actualise. Comment on gère les relations? Many to one et one to many. Il y a une explication sur comment les sauvegarder en fait. With cascades enabled, you can save this relation with only one save call. Ça rejoint peut-être ce que disait quelqu'un là tout à l'heure en disant que c'est le save qui manque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle recette carrément. Parce que là, j'utilise un create pour la nouvelle recette, il me semble. Donc, on va s'imaginer que plutôt que d'appeler en HTTP la méthode put, je fais un post et j'essaie de créer une nouvelle recette. Je vais. Ah, mais je crois que je n'ai pas créé le code non pour la création d'une recette.
Ah, c'est relou. C'est moi qui me suis foutu dans la merde là. Alors, vous savez quoi? On va d'abord éliminer un des problèmes en faisant les choses manuellement. C'est-à-dire que dans le receipt service, lorsque je veux mettre à jour une recette, on va s'imaginer que je fais un return, que je vais commencer par récupérer la recette. Donc je fais un const receipt égale vis.receiptRepository.find et je trouve la recette qui correspond à l'ID qui est demandé. Ça va demander du coup de faire un await. Et du coup, ça c'est async. C'est où le cascade? En fait, ça me dérange, j'aimerais bien trouver une solution plus propre, mais. Ensuite, je vais lui dire de faire ici un receipt.ingrédient to receipt et je vais lui passer dans les data les ingrédients to receipt que j'ai reçus, qui est donc un tableau. Mais là il va bugger parce qu'il va me dire les deux ne correspondent pas, ce qui est logique. Donc là, je vais mapper et pour chacun, je vais lancer une fonction qui va me donner voilà, ça. Et pour chacun, je retourne un new receipt to ingrédient. Ingrédient to receipt plutôt, auquel je rajoute les différents champs. Donc on va appeler D. Et on returnera D à la fin. Et je ferai un D.quantity égale R.quantity. Et je ferai un D.id. Ah non, là il faut que je le récupère depuis la base de données en vrai. Ouais, d.id égale r.id. Ça n'a pas de sens, mais j'essaie. Mais non, en fait, je suis con. Non, en fait, c'est pas l'id que j'essaie de définir là. Ça n'a pas de sens ce que j'écris là. Là, ce que je veux, c'est l'ingrédient. C'est l'ingrédient id que je voudrais définir. J'ai pris express. En fait, j'ai rien pris. J'ai juste fait le git clone du dépôt, donc j'ai pris express pour la partie du coup serveur web qui passe derrière. Ouais, c'est ça qu'il me faudrait faire. Donc, je pense que c'est mon update DTO là qui est pas bon. Je vais quand même persister dans ma connerie parce que quitte à y être, autant y aller jusqu'au bout. Et là, ça sera ça. Et ça, on l'importe. Ok, donc j'ai plus d'erreur maintenant en termes de validation. Et après, je save donc ma recette. Ouais, non, là j'essaie vraiment brutal parce que je veux éliminer les problématiques une par une. J'essaie de réexécuter, voilà ce que j'obtiens en résultat. Si je regarde dans ma base de données, j'ai bien l'enregistrement qui a été fait, la relation est correcte avec la quantité, je vais la supprimer d'ailleurs, et on est bon. Ok, donc ça veut dire que ça fonctionne. Donc il n'y a pas de problème d'hydratation si on fait comme ça. Maintenant, on revient sur notre cas initial, c'est-à-dire que je fais un update, je lui passe l'idée et les data. Maintenant que j'ai corrigé mon problème en mettant le bon ingrédient ID, je sauvegarde, je réactualise cette page-là, et là j'ai une internal error. Donc ça ne marche pas. Ce qui semble logique, parce qu'à mon avis, l'update, ça fait un truc à la volée, on the fly là, et peut-être type ORM, update, cascade. Insert. Ouais, ça j'ai bien compris que cascade ça affectait pas ce que je pensais. Ça j'ai bien intégré ce truc-là. Ouais, mais c'est pas ce que je veux faire. Non, après le problème c'est qu'effectivement il n'y a pas d'hydratation native. En même temps, il ne peut pas le deviner tout seul.
suis en train de. Là, je réfléchis à moi-même. Hein. Je réfléchis pour pouvoir comprendre comment on pourrait faire ça. Delete. On s'en fout. En fait, c'est vraiment là. C'est là où il faut la cascade. Set cascade options to the given relationship. Is set to true when it means that the related object can be allowed to be inserted or updated in the database. C'est pas un restrict. By default, it's enabled, but if you want, ok. Orphaned. When a child role is removed from its parent, determine if a child role. Alors là, la clé qui me manque, en fait, c'est comment être capable d'hydrater un objet avec une relation à la volée. Apparemment, le update ne marche pas. Alors toi, tu me parles d'un merge. vis.recipe.repository.merge. Donc en fait, je lui passerai la recette. Ouais, mais ça m'obligerait à refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Const recipe égale await de vis.find. Je trouve ce qui correspond à l'ID. Je fais ma fusion en lui disant je prends la recette, je prends les datas. Et ensuite, je lui dis vas-y, fais une sauvegarde. Et je sauvegarde cet objet-là. Ça merge, ça fait quoi? Ça re-renvoie une entité. Donc on va l'appeler let parce que voilà. Et là, on va mettre recipe égale ça. On va voir si ça marche, parce que si ça marche, ça nous donnera quand même une indication sur le fait que c'est peut-être la méthode update qui essaie de faire un update à la volée. J'exécute et ça fonctionne. Donc c'est le update qui ne marche pas. Ok. On est pas mal, on se rapproche de la solution. Je vais essayer peut-être un dernier truc, c'est que j'ai peut-être pas regardé dans l'update si on avait un troisième paramètre. Si je regarde dans update, on a. J'ai du mal avec cette syntaxe-là. On a les critères et ensuite le partial entity. Update entity partially. Entity can be found by a given condition, unlike save method executable, primitive operation without cascades, relations and over. Si j'avais lu, hein, si j'avais lu, j'aurais su. Unlike save method, executes a primitive operation without cascades. Voilà, donc on sait. Ok, donc mieux vaut utiliser save en fait, dans cette situation-là en tout cas. Je pense que le update, en fait, il fait un update à la volée en SQL, ce qui est plus performant, mais du coup, ben, ne correspond pas vraiment à ce que je veux faire. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe si je suis un petit méchant et que je me dis, tiens, j'aimerais bien que tu me lis le truc à l'ingrédient qui n'existe pas. Genre, vas-y, essaie de lire l'ingrédient numéro 10. Est-ce que lui, il va péter son câble? Internal server error. Alors, je ne suis pas fan de cette erreur-là, je ne vous mentirai pas. Globalement, il me dit cannot update child parce que la contrainte, child plutôt, parce que la contrainte n'est pas bonne. Effectivement, c'est pas bon ça. En fait, il faudrait que je lui dise ça, faut que ça existe. Comment tu fais ça? Moi, je sais pas si en vrai ça va marcher. Non, toujours serveur internal error. Bah, normalement, ça serait au niveau du DTO en fait. Ça serait au niveau du DTO où là j'aurais tendance à rajouter des contraintes. Arrobase. Existe. Ouais, ça peut pas exister ça. Tiens, je suis curieux quand même. Est-ce que je peux mettre un min? Plutôt un max, arrobase max, non, oui, arrobase max, et je lui dis, je veux 4 à mon valeur maximale. Est-ce que ça, il va le valider? Alors, il me dit, property signature expected. C'est une signature ce que tu as en dessous, hein. Ah oui, il faut que ce soit une classe. À chaque fois, je me fais avoir.
Declaration expected. Ok. Là, je vais réexécuter ma requête. Toujours internal serveur error. Comme s'il validait pas ça, quoi. Est-ce que là, il y a moyen de faire arrobase valide? Ouais, non, non, j'aimerais bien voir s'il y en a. Alors, t'as un validate nested. Merci à toi. On va réexécuter. Non, pareil, toujours internal serveur error. En fait, le problème, c'est que c'est un tableau. Each true. Ok. Je pense que c'est ce qui manque pour que ça fonctionne. Ok. Alors, on va réessayer. Je relance. Toujours internal server error. Et lui, il dit de faire un arrobase type. Et de mettre le type. Je suis prêt à tenter tout là. En fait, j'aimerais bien au moins avoir une première validation. Ok, donc là on a une validation en profondeur où on me dit que c'est supérieur à 4. Ok, maintenant c'est ben, l'existence en fait. Foreign key exists class validator type ORM. Ouais, déjà juste classe validator. Par contre, c'est Laravel, ça n'a rien à voir. Nest.js. Nest.js et type ORM. Probabilité que ça marche, 0%. Et on va mettre one too many, ou many to one. One too many, voilà. Voilà, avec autant de mots-clés. Entity existe. Ça existe ce truc-là On va arriver au bout des. Attends, à quelle heure j'ai commencé? 18h30? Là, c'est à 21h. À 21h, faut arrêter. On pose les souris et les claviers. Bah donc j'aimerais bien mettre en place cette contrainte, c'est la dernière chose qui va me rester à faire. Et on n'aura pas eu le temps de mettre en place l'authentification du coup. Entity exist. Ouais, il manque une petite clé là. Ouais, donc le mec lui s'est créé ses propres conditions. Après, en soi, c'est pas gênant parce que tu as la base de données, mais en fait, j'aimerais bien ne pas taper la base de données avant de. Y a bien quelqu'un qui a eu la même question que moi. J'ai l'impression d'être le premier, c'est ça qui me tue en fait. Nest validate ID entity exists. Pas le premier à me poser cette question quand même, non? Ça, j'aime bien ça. Ouais, sinon faut se créer faut se créer son truc. I have an array of object value. How can I validate so that the field is required a minimum two characters long? Non, mais ça, on sait faire ça. Ça, c'est des trucs de débutants. Ça, c'est bon, c'est maîtrisé ça. Tu n'auras pas le choix de faire ton propre validator. On peut faire ça avec Laravel, quoi. On peut faire ça avec n'importe quel framework, c'est abusé. Bon. Ouais, ils partent sur la création de leur propre validateur, quoi. J'avais peur d'entendre ça, malheureusement. C'est un échec. Pas comme ça, quoi. Pas comme ça.
Ben vous savez quoi, on va se dire tant pis. On va pas perdre. On va perdre. Pas comme ça, Nest, pas comme ça. T'étais censé être l'élu. C'est le mec qui mixe les deux. T'étais censé rétablir l'équilibre dans la force. Oui, c'est plutôt simple, mais c'est juste que là, je suis moyen de me lancer ça. Est-ce qu'on tenterait pas. Ouais, on va lire la doc, hein, mais. Parce que c'est pareil, l'authentification, on n'est pas prêt de la mettre en place en une seconde. Je veux dire que c'est pas un problème en soi. Oui. Oui et non. On peut regarder ça. Attends, je veux juste regarder les. J'aurais bien fait l'authentification, ça fait chier. J'y comprends rien, l'authentification en même temps, avec passeport et tout, là ça va être compliqué. Nest, je trouve un peu compliqué par rapport à du Adonis. Mais c'est demain qu'on fait du Adonis, donc on pourra comparer, on va faire la même chose sur Adonis. C'est justement l'intérêt, c'est que comme ça, en testant, on voit un petit peu. C'est le problème de Nest pour moi. On te fournit plein d'outils, mais il manque toujours la petite brique pour mettre correctement ensemble. Pour moi, c'est un peu ça. C'est t'as plein de modules quand même, c'est cool. Mais alors, quand tu veux un peu tout câbler ensemble, c'est quand même violent. Mais je t'avouerai que là, par exemple, la validation et tout, c'est quand même sexy entre guillemets à mettre en place parce que tu mets juste des annotations. Tu sais que les données qui rentrent, elles sont ce type-là. J'aime bien cette partie DTO, contrôleur et repository. Mais je pense que tu atteins quand même rapidement une limitation parce que tu dois aller sur les docs de chacun. Et la doc de type ORM ne marchant pas, bah tu peux pas faire grand-chose, quoi. Si vous voulez, bon, on va finir sur les 15 dernières minutes. On va juste parler. Hein, si vous avez des questions, des trucs comme ça, je vais juste bouger mon micro. Voilà, comme ça, je verrai un peu mieux le chat. Quelqu'un a une astuce pour utiliser Twig avec VS Code? Je ne sais pas si l'autocomplétion de Twig, elle est vraiment correcte en fait. Sur VS Code. T'as testé micro-ORM sinon? Non, je connais pas. Type of... Ah, putain, encore un ORM quoi. Dans JS, il y a plus d'ORM qui se créent par jour que de... Adonis, je testerai la version qui est disponible à l'heure actuelle. Je vais me baser sur la documentation. Donc ça sera la version... Ah merde, tu veux dire qu'on est... Ah, fait chier, quoi. Il y a une doc pour la V5, parce que s'il n'y a pas de doc, je vais pas tenter la V5, tu vois. Je demanderai à Romain s'il me conseille de faire la V5 ou la V4. Prisma, c'est celui qui est le plus abouti. Ouais, dans tous les cas, le problème, c'est que là, on est bloqué avec... On est bloqué avec cette foutue histoire de validation des clés, en fait. Mais je testerai Prisma. Mais j'ai l'impression qu'il y en a trop, en fait, d'ORM, c'est abusé. Pff, tu t'y perds, quoi. Et en plus, ils ont tous des approches tellement différentes. Ça qui est tellement violent, en fait. En tout cas, ils ont un joli site, hein. Ça me convainc. Je sais pas comment les mecs font des projets open source. Comme ça, ils se font autant chier sur le front en fait. Ils font des pages qui font, on dirait des produits en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, enfin, c'est joli quoi. C'est vraiment joli. Comment ils rappent? Enfin, ouais, comment ils se font chier à faire tout ça? Ils ont un produit, ok, ouais. Okay. Je sais pas, je suis toujours étonné en fait parce que moi, rien que de déjà d'écrire une documentation, de faire un README, c'est. Et eux, ils sont capables de faire toutes des pages entières. C'est souvent backé par une entreprise. Ouais, mais même, déjà, il faut trouver une entreprise qui accepte que tu passes du temps sur un projet open source. Et imagine si l'entreprise. Je sais pas. J'ai du mal à capter. Mais bref, c'est très joli et je regarderai à quoi ça ressemble à ce niveau-là. Regarde Tailwind. Ouais, mais Tailwind, ils vendent un truc. Il vend un serveur. Enfin, il vend un. Et pour information, ici, on ne dit pas en anglais, on dit que vend. C'est le framework que vend. Que vend UI.
Ok. Pour cette découverte de Nest, si je fais une petite conclusion, c'est un framework qui a l'air quand même pas mal, qui permet de s'approprier l'outil. C'est ce que je trouve personnellement intéressant, c'est que si tu as envie de te faire 12 modules, tu fais 12 modules. Si tu as envie de séparer la logique, c'est cool. Mais il faut être vraiment à l'aise avec cette histoire de modules et surtout le TypeScript. Désolé. Parce que c'est vraiment violent. Est-ce qu'il y aura une vidéo dessus? Je ne pense pas dans l'immédiat. Parce que là, j'ai vraiment survolé l'outil. Il faudrait que j'ai un exemple plus concret, donc que j'avance un petit peu plus. Si on a du temps, je n'exclus pas de m'y remettre dessus. Effectivement, peut-être pour compléter et faire une vidéo de présentation. Il faudrait que j'ai l'authentification, que j'ai ce système de validation qui fonctionne. Donc ça me demande de pousser un petit peu plus. Donc peut-être dans d'autres lives, si ça vous intéresse, on pourra continuer à explorer. Mais j'ai déjà des petits programmes entre guillemets de ce que je veux faire dans les prochains lives, donc je pense pas que ce sera pour tout de suite, tout de suite. Si tu veux, je veux pas présenter un outil, sachant que j'ai juste fait 2-3 heures dessus d'exploration, quoi. Là où ça peut être intéressant, c'est quand j'ai poussé et que j'ai rencontré des problèmes et justement en vidéo expliquer des choses vraiment concrètes, quoi. Parce que si c'est de pour survoler, bah, tu peux simplement regarder la doc, tu auras à peu près le même niveau, quoi. On n'a aucun framework Node. Ouais, c'est pour ça que j'essaie de me mettre un peu à Node pour voir les écosystèmes de framework et commencer à faire des vidéos dessus. Mais voilà, je veux éviter de trop survoler non plus, quoi. Punaise, mais les gens me listent tellement de frameworks. Celui-là, la homepage, elle me donne pas trop envie, tu vois. Mec qui juge les frameworks par leur front, tu sais. Ouais, ça a l'air de ressembler. Mais après, le truc, c'est que Nest, comment ça s'appelle? Le nom revient souvent, donc je me dis que ça a quand même pas mal en popularité et il y a pas mal d'utilisateurs. Donc c'est cool de se dire, tiens, je vais partir sur ça parce que je trouve quand même beaucoup de ressources dessus. Voilà, c'est la popularité. La popularité, au-delà de juste dire, ah, ben, le framework, il a 1000 stars sur GitHub, ce qui est intéressant, c'est quand tu vas chercher des informations, c'est plus facile à trouver des informations, quoi. C'était la meilleure phrase que j'ai jamais sortie, ça. Mais j'ai vu ouais, qu'il y avait des grosses boîtes qui le pire menu burger, quoi. Il y avait Sanofi en sponsor. C'est bizarre, hein? Tu t'attends pas à ce que Sanofi ait un truc dans du Node.js. Et ça, je sais pas ce que c'est. D'accord, on sait pas trop ce que c'est. Noroto utilise Nest. Je suis pas sûr que ça soit un super critère quand même. Est-ce que l'éducation nationale utilise Nest? Ça serait rigolo, quoi. Ouais, sinon, comme je disais, demain, ça sera. Alors, je vais essayer de faire en sorte de formater rapidement. Parce que si vous ne me voyez pas demain soir à l'horaire prévu, c'est que j'ai merdé et que j'ai flingué mon Linux. Je me donne une journée, je me lève le matin, je formate. Je formate, je formate. Comme ça, normalement, le soir, je devrais être dispo. Et l'éducation nationale, ils utilisent Java? On voit les extensions à la fin des. Pourquoi je veux formater? Parce que j'ai des problèmes de son. Je pourrais peut-être vous trouver un enregistrement pour vous montrer ce que ça fait. Là, la corbeille est remplie. Attends, je vais essayer de retrouver. On est quel jour? Le 7 avril, là. 7 avril, ce fichier fait quel poids? 187 mégas. 158 kilos. Ok, j'ai pas de fichier sensible dans ce truc-là. Non, c'est bon. Si je fais ça. Non. Non, c'est pas ça. En fait, j'essaie de vous trouver un fichier tout pété pour vous montrer ce que c'est. Et en fait, ça me fait péter un câble, cette erreur-là. Et. Hop là.
Non, toujours pas. Je vais le trouver. Je vais trouver le fameux fichier qui plante. C'est celui-là que je viens de. Putain, mais c'est que les tests qui marchent, quoi, que j'ai là. Fuck. En fait, non, globalement, j'ai un problème, c'est que quand je démarre mon système, de temps en temps, j'ai pas les drivers Nvidia qui sont en place, donc j'ai aucune accélération ni rien, et tout le système est tout flingué. Donc déjà, c'est assez chiant, et je suis obligé de faire un restart du Display Manager, et automatiquement, ça remarche. Et l'autre problème que j'ai, c'est ce problème-là. Je sais pas si vous entendez le son. Je vais monter le son. Voilà ce que fait mon enregistrement audio. Du coup, le truc, c'est que ça le fait de temps en temps, sans aucune raison. Quand je démarre OBS ou Discord ou n'importe quoi. Donc des fois, c'est des clients qui entendent ça quand je suis en chat. Donc autant te dire, ça ne donne pas une super bonne impression de cette. Bonjour, et t'arrives. Et l'autre souci, c'est que là, j'enregistre donc la formation API Platform. Et je suis obligé de faire plein d'essais jusqu'à que ça évite ce problème-là parce que ben, j'ai pas envie de me faire 3 heures d'enregistrement pour réaliser à la fin que j'ai ça pendant 2, 3 heures, quoi. C'est, en plus, le son est littéralement irrécupérable. Et du coup, vu que j'ai deux problèmes qui sont quand même des problèmes relativement majeurs et que j'ai aucune idée de comment les régler, la solution, c'est de formater. Non, le pire, c'est sur Linux, pas sur Windows. Je sais pas si je peux vous le reproduire sur Linux. Attends, je dois avoir la vidéo. Attendez. C'est une vidéo que j'ai jamais publiée sur le site. Que je dois publier d'ailleurs. Vidéo. Graphique carte. Il est où? Graphique carte, c'est où? Voilà. C'est une vidéo pour Windows. Elle est là. C'est comment gérer le taux d'échantillonnage. Ah, bienvenue dans cette petite Oh vidéo. putain, désolé. Un peu, j'avais le pire fond d'écran. Ouais, voilà, ça me fait une voix qui ressemble à ça. À ça. Là, si je parle, c'est une voix vraiment étrange. Ça fait une voix de gamin trop bizarre. Et pareil, ça le fait sur Windows. Je me pète des câbles. J'ai que des problèmes de son, c'est un enfer. Et en fait, ça vient du taux d'échantillonnage. S'il n'est pas pareil, votre micro, il a un taux particulier et l'OS a un taux particulier. Si c'est pas le même taux, ben, soit ça me fait une voix méga grave et on dirait que je fais. Enfin, on dirait Dark Vador un peu, tu sais. Et soit ça me donne une voix de gamin de 10 ans. Salut, comment ça va? Et du coup, c'est pareil. C'est très professionnel, quoi. Surtout que le client ne sait pas. En fait, ce qui était marrant, c'est que. C'était, je sais plus pourquoi. Le gars croyait que j'avais vraiment cette voix-là en vrai. Il connaissait pas Graphic Art, hein, mais c'était juste. C'était le premier contact. Et la voix était déconnée, mais pas à ce point-là. Et il a pensé que j'avais cette voix-là. Et du coup, mais moi, je savais pas que lui m'entendait comme ça. Et ça a duré des semaines, quoi. Et trop, trop, trop dégoûté, quoi. Voilà, donc j'ai que des problèmes et du coup je me suis dit que j'allais formater et ça va être l'occasion de tester un DevOS, je sais pas comment ça se dit, qui avait l'air d'être pas mal, sachant que je veux une install visuelle parce que je suis une quiche et que déjà que j'ai du mal à faire fonctionner. Pourquoi pas Manjaro? Je sais pas si Manjaro ils ont une distrib i3. Bah, concrètement, moi je veux bien un Arch de base en fait. Et Manjaro, j'avais essayé de l'installer et j'ai pas réussi à faire booter la clé. Et ça m'a gavé en fait. Dans tous les cas, au pire demain, si je flingue. Attendez. Endeavor, je l'ai déjà testé sur mon Mac, mais je dois avoir la clé, elle doit être ici. À quoi elle correspond? J'ai toujours mes trois clés sur moi, ça c'est le truc le plus important. Ça c'est la clé pour reboot Windows. Et après, j'ai une clé Arch et une clé Refi-Find pour pouvoir redémarrer sur. Je crois qu'il y en a une, c'est Mac. Ouais. Non, non, il y en a une, c'est Mac. Donc, au pire, je ferai le stream sur Windows si jamais j'arrive pas à récupérer mon. T'en es archi content. Putain, ce jeu de mots. GG Cédric. Il faut toujours. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut toujours avoir une clé USB Windows. Parce que vous pouvez redémarrer et restaurer en fait la section de boot avec.
Et puis, dans les cas pires des cas, vous pouvez réinstaller Windows. Ensuite, il faut toujours une clé Linux parce que ça permet d'avoir. D'ailleurs, elle fait un bruit. Ça, c'est pas. Je sais pas si vous l'entendez. Mais ça, c'est pas bon signe, ça. J'espère que c'est pas ma clé Linux. Il faut toujours une clé Linux pour pouvoir avoir un live ISO comme ça. Si votre machine est complètement flinguée, vous pouvez au moins démarrer sur ça et travailler un petit peu. Et après, la dernière clé, c'est macOS. Parce que j'aime bien faire des clean install de macOS plutôt que d'installer via le système. Manjaro, le problème, c'est que c'est pas un vrai Arch Linux. Ça me gêne, ça. Ça me gêne un petit peu, je t'avouerai. Je vois pas trop ce que ça peut apporter. Je sais pas s'il y a un doc qui explique pourquoi utiliser Manjaro plutôt que d'utiliser Arch. J'aurais très curieux de voir leur version. À voir hein, pourquoi Manjaro par rapport à Arch. Ouais, je sais que c'est une surcouche, mais quel bénéfice tu as en tant qu'utilisateur, quoi. Donc voilà. Voilà mon petit programme. Je vais voir, peut-être à la limite, je vais peut-être me lancer ce soir. Je ne streamerai pas cette install de Linux pour la bonne et simple raison que vous le devinez, mon setup ne sera pas dispo en fait. Je vais complètement tout flinguer et du coup, je ne peux pas streamer vu que j'aurai pas OBS ni rien. Je vais repartir d'une install fraîche, quoi. Et je vais maintenant aller raid quelqu'un. On va voir qui c'est qui stream en ce moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connu? Ben on va aller sur Romain. Qui va détruire tout ce que j'ai dit sur Node.js et des noms. Underscore. Underscore, ils ont déjà assez de viewers, je pense. J'aime bien Red. Quand il y a moins de viewers. Les grosses chaînes, elles sont déjà visibles en fait. C'est pour ça que c'est pas super intéressant. C'est Samuel Etienne qui m'a tout appris, quoi. Bah, du coup, demain, je vous donne rendez-vous même heure, 18h30. On se donnera 2h30 aussi pour découvrir Adonis. Et on essaiera de faire la même API, mais avec Adonis, et de voir si on arrive à pousser les choses un petit peu plus loin. Sachant que je pense que Romain regardera et pètera un câble sur le chat. Et rien que ça vaut le coup, je pense. Je vais essayer de le faire sans avoir d'aide, justement, parce que je veux voir les choses. Quand vous allez lui demander lui quelle version d'Adonis il faut que le graphique art l'utilise, posez-lui la question quand vous allez arriver. Alors attendez, que je retrouve le truc pour Red, twitch.tv. Déjà qu'apparemment, quand je redécouvrais Node.js, il pétait un câble. Oups. Oups, oups, oups. Attendez, j'arrive pas à trouver le bouton pour Red. Je suis trop bête. Je vais surtout aller manger moi après. Hop. Le pauvre, ouais, c'est le pire. C'est le pire. J'imagine, c'est comme le gars qui a dev CurtainJS. Apparemment, il a regardé des lives et les tutos, il pétait un câble. De me voir faire les choses de la mauvaise manière. Ben, sur ce, bonne soirée, les gens. Et demandez à Romain quelle version il va falloir utiliser pour demain. Ciao!